Jude, vous savez, je vous présente Alizé Bois, super danseur, Michou, alias, c'est Michou, Christian Millet et Baguera, et c'est parti Michou, je te laisse faire. Ça y est, t'as plus d'un scoop. Ouais, j'ai plus d'un scoop. Voilà, c'est fini. Pour moi, j'arrête de parler. Petit live switch en vrai avec, avec la team d'Alci. Hein. On est avec la team d'Alci tous ensemble parce que, je sais pas, je suis trop content de faire un peu cette soirée. On se voit tout le temps, tous les jours, dans les studios de danse, dans les répétitions, etc. Avec un petit peu de stress, je voulais... Ça fait trop du bien de se voir à côté. Ouais, de ouf. De ouf. Non, mais c'est vrai. Et sachez que j'ai jamais lancé un live aussi tard. Je pense que c'est la première fois que je lance un live à presque 22h. Et bah justement, c'est parce que vous êtes arrivés il y a une heure et j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on est ensemble. Il y a une heure. Toi, t'es arrivé. Le mec a dit 19h30, j'étais au bar à côté tout seul. Je peux prendre de l'eau. Oui, exactement. Anthony est là depuis très très longtemps. Depuis très longtemps. En tout cas, petit live Twitch. Anthony, sachez qu'il est très heureux d'être là. Il découvre Twitch. Hein. En vrai, un peu Christian, tu découvres Twitch. Ouais, bah moi, c'est mon premier Twitch. Live. Mon premier live, j'ai fait, non mais j'essaie de le vocabulaire, voilà, je connais pas, mais j'ai fait d'Alci, mais sinon je connais pas Twitch. Ok, c'est vraiment vrai moi, grâce là, à toi là, que je suis Je le travaille encore dans une semaine, il est streamer. Hein. C'est vrai. Moi ça fait quoi, une semaine, je suis un peu genre, non mais c'est pour toi. Elle croit beaucoup à mon potentiel. C'est pour toi, c'est pour lui le live. Je suis d'accord. C'est bien, ça veut dire qu'il est intéressant. T'as des trucs à raconter. J'ai pas mal de trucs à raconter, je pense. Il a pas mal d'anecdotes. Bah, c'est trop bien. Bah, faut que je fasse attention à ce que je dis parce que peut-être que ça peut être pris ailleurs. C'est vrai. Vince, merci beaucoup pour les subs, Vince. Merci, Vince. Tu sais, c'est quoi des subs à peu près, hein? Oui, tu m'as expliqué. Les subs, c'est pour mettre des emojis. C'est pas que ça. Un peu bancal. Bah, des subs, c'est pour la musique, tu sais. Le sub. Je connais Subway. Tu fais des subs. Mais en fait, des subs, en fait, c'est pour amplifier la musique. Hey, dans les, je connaissais même les, voilà. Les enceintes et les on subs. On apprend tous les jours avec les moi, je suis DJ. Donc aussi, t'es DJ? Ouais. Mais non. Si, tu si, savais? Ouais, bien sûr, mais il est fort. Hein. Je vais vous faire l'after d'Alci. L'after d'Alci? Ouais. Oh là là, on va se régaler. Christian en DJ. Non, mais voilà, les gars, petit live Twitch. Un peu. Anthony, on en avait déjà fait un il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est trop bien. T'étais tombé amoureux de Twitch. Ah, c'est génial. Mais... C'est génial quelle découverte. Et... Juste les compliments. C'est génial, vous êtes géniaux. Je vous adore tellement. déjà, je vous préviens. Anthony, tout le live, parce que devant, on a la télé et il y a le chat sur la télé. Anthony, tout le live, il va être comme ça. Et ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est qu'il regarde le chat. Mais c'est tellement génial. Mais tu vois, tu t'habitues à le regarder. Anto, le boss, je t'adore. Faut lire vite hein, quand même, parce que ça y va. Hein. Ouais, ça va vite, hein. Ça va vite. Merci Samuel, merci beaucoup pour les 10 subs. Et il y a Alizé. Bon, Alizé, toi tu connais maintenant. Ouais. Alizé, un peu. Elle est connue dans Twitch, elle. Et j'ai appris un truc, je peux le dire ou pas? Ah. Non. Ah, tu parles de. Ah, je dis rien. Ah, elle fout, c'est vraiment. Non, mais ça, je sais pas de quoi vous parlez. Tout ce qui est relation sentimentale, on n'en parle pas ici. Mais non. Rien à voir. Non, on dit rien. Après d'Alci, c'est ça? On pourra en parler après d'Alci. Les gars. Non, demain. Vraiment demain. Ah, demain? Ah ok, bon bah les gars, attends, dis-moi dans l'oreille, Alizé vous dira... Il n'y a pas de micro, merci. Alizé vous dira un petit truc demain. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai même pas parlé, premier live dans cette espèce de régie, parce que du coup j'ai installé une régie dans mon local, ça fait longtemps que je vous en parle et tout, mais j'ai installé une régie dans mon local pour pouvoir faire des lives dans ce style-là, où on est tous ensemble, on a des micro-cravates, il y a plusieurs caméras. Je pourrais venir. C'est vraiment cool. Hein. C'est trop bien. Tu viens. Tous les soirs, il va être demain là-bas. Je pourrais venir. Excuse-moi, je peux participer au live. 5 minutes, s'il te plaît. Oh putain. Anto, tu m'as dit un truc de fou aujourd'hui. C'est possible. Déjà, j'ai vu que tu commences à vlog. Ouais. Tes entraînements. J'ai pris un mec avec moi, Aurélien Gendron, que j'embrasse. Et ringard boy. Waouh, je vais partir, je m'en vais. Aurélien, on t'embrasse. Ouais, je l'ai pris et en fait, bah, il me suit, c'est trop cool et on filme tout. Mais quoi, c'est drôle, non, j'ai jamais fait. C'est le truc d'avant. Tu sais ce que tu vas en faire? Bah, des vidéos. Il sait pas. Des vlogs. Non, pas YouTube, ça sert à rien que j'aille sur YouTube, moi, c'est fini, le marché est saturé. Il a analysé, Non, mais je vais faire des lives. Je vais faire des lives. Non, pour de vrai. Non, mais attends, t'as un monte. Enfin, oui, mais le truc, c'est que si t'as un cadreur avec toi, ça va être compliqué pour le live. Oh merde, ça s'est éteint. Ah, on a perdu la télé. Hein. Oh, le chat. Et j'ai vu, il y a des gens de Montréal apparemment. C'est vrai? Je sais pas, la télécommande. Excusez-nous. La télécommande, Max.
J'ai vu Montréal. Waouh. Il y a eu une tentative d'assassinat. Mais tu sais que t'as des fans de Montréal, hein. Ah mais ouais, de partout. En fait, dès que c'est francophone. Hein. C'est dingue, hein, qu'est-ce qu'il y a? De partout, j'ai des fans, bien évidemment. Mais quelle question? Mais attends. Mais pourquoi? Tu crois que tu... On est de Montréal et on fait un boulot. Ah, c'est bien. On fait un boulot. La boulotte, c'est quoi de la boulotte? C'est quoi de la boulotte? C'est non, génial. Eh, ça va vite. Attends, boulotte. Non, pas boulotte. Non, mais c'est pas grave. Non, j'ai pas de croque. C'est quoi? Il y a un truc de croque. Attends, il y en a plein de croque du Québec. Ah, les crocs. C'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a mis les crocs là. Bah, on nous a pas tous. Moi, j'ai des chaussettes rouées, je m'en. Personne n'a mis les crocs. Ça me fait transpirer les pieds. Non, mais on a la. Moi, j'ai mis. Il n'y a que Christian, elle a gardé les bottes. Hein. Ouais. J'avoue, aucun respect pour l'endroit. Même ouais, bien. J'avoue, t'es horrible. En plus, là, en plus, c'est vrai que les Canadiens, on enlève toujours nos chaussures. Bah oui, c'est bien ce qu'on s'en met. Toujours. Ouais, je me suis toujours dit ça des Canadiens. Mais je suis désolé, j'ai pas respecté ma culture. Je sais pas pourquoi on n'a pas le retour. Je pense pourquoi on n'a pas de retour? Pourquoi on n'a pas de retour? Les gars, pourquoi on n'a pas de retour? On peut savoir, en fait. On n'a pas le droit de se voir. Ça fait 15 ans que je bosse. C'est... J'ai jamais vu ça, hein, 15 ans de carrière sur Twitch. Non, mais les gars, c'est vrai qu'il faut le dire, mais Anthony, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que tu commences à tout vlogger et en fait, t'es devenu ultra intéressé par un peu ce milieu, cet environnement. Pas très intéressant, mais intéressant. Ça, allait bien. Non, ben, je trouve ça. En fait, vas-y, c'est fascinant. T'es comme ça, là, tac. Anthony, il ressemble à John Snow. John Snow. Quand j'étais jeune. Si, c'est Jean Neige. Et donc, mais... le pourcentage, c'est quoi? C'est quoi ça, 38%? Ah, c'est le train de la hype. En gros. Comment t'expliques un train de la hype? Ouais, comment t'expliques un train de la hype? Alors, déjà, les gars, ça va de où à où. En gros, pour vous expliquer, comme les gens, ils peuvent follow, ils peuvent sub, etc. Des fois, quand ça s'enchaîne plus que d'habitude, il y a ce qu'on appelle un train de la hype. Comme là. Et là, il est niveau 8. Ça veut dire que les gens, ils sont au taquet. Okay. 55%, on les a fumés. On est des monstres. Non, on a fumé personne. On a fumé personne. On les a fumés. On les a fumés. Mais du coup, ça sert à savoir des choses ou pas? Oula! Christian, il me fracasse. Baguera, tu connais mieux que moi. Pour le coup, le train de la hype, c'est vraiment. Anthony, c'est un vieux en fait. Ok. Très bon. Ok, mais tu vois, les gars, ça monte. Mais ça... Ah, tu vois? Ça fait plaisir, mais on sait pas pourquoi. C'est le multiverse live. Ouais, mais là. Sachez que le plus drôle, je pense, c'est vraiment Christian qui découvre Twitch. Ah ouais, ça c'est exceptionnel. Moi, je suis venu que pour ça. Je vais vous poser des questions. C'est quoi ton rapport un peu avec les réseaux, Christian? Instagram. C'est tout? Ouais. Ben Facebook, parce qu'au Québec, les gens sont... Facebook. Non mais je sais, parce qu'au Québec, les gens sont encore très Facebook. Ah, c'est vrai? Ouais. Et du coup, je garde juste mon compte Facebook pour les gens du Québec, pratiquement. OK. Okay. Mais non, ouais, Instagram, moi, je comprends. TikTok, on en reparle ou... Je déteste TikTok. Je suis désolé, hein, je déteste. Oh là. Anthony est trop mal installé. Ils ont cramé que ça fait une heure, tout comme ça. Tu veux qu'on te laisse de la place? Non, tu rigoles, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que t'es en mode chevalier. J'ai pas de bungalow, de lumbago. De bungalow. Pas de bungalow, moi. Mais... Non, mais moi, j'aime bien ça, Twitch, j'aime bien. YouTube, j'aime bien aussi. YouTube, j'adore, moi, c'est cool. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Attention, ouais. Parce que les gars, commencez pas à critiquer YouTube. Non, c'est kiffant. J'aime vraiment, hein. Je fais tout avec YouTube, moi, c'est ma vie. Hein. Tu regardes un peu des vidéos YouTube? En fait, moi, au lieu d'aller Google, je préfère voir des vidéos. De quoi? Pour apprendre, genre des tutos. Ouais, pour apprendre des trucs, des tutos. Au lieu d'aller sur Google, je préfère aller sur YouTube. tu tapes un truc, ta réponse, est-ce que tu connais des mots et des vidéos? Des YouTubers. Ah là, c'est compliqué. Ah, ok. Trop fort. Christian est trop fort. Là, les noms, ça, je peux pas. Michou. Ah oui, Michou, c'est vrai. Super. C'est bien, c'est déjà pas mal. Michou, les. Qui c'est qui a un YouTube? Pendant que les gars, on a pris. C'est pas grave, c'est pas de retour, mais si on a. Moi, j'aime bien Joyka, moi. Joyka? Joyka, je. Tu connais Joyka? Joyka, je pense, tu vois qui c'est parce qu'il a fait un truc une fois avec des Nitsa. Ah ouais? Dans une opération, un truc au ski. Bon, moi, j'aime bien ce YouTuber, je le trouve très drôle. Et Mastu. Ouais, ils sont cool. Ouais donc en plus, c'est un petit crew. Ouais, j'aime bien ce gros. Ils avaient fait un truc à. C'est bizarre comme nom quand même. Tu connais Squeezie? Mastu. Non, ah oui, Squeezie, oui. Ok, quand même. Comment ça s'appelle leur team là? Ils avaient fait une team à Agen, je sais plus. À Agen. Le Lot. Le Lot, c'est ça. C'était marrant ça. C'est drôle de devoir parler comme ça, comme si t'étais un connaisseur alors que t'es quand même un peu à côté. Ils ont fait une team à Agen là. Genre le mec il a fait des fiches avant de venir. Alors attends, c'était où qui était? Non mais je vois très bien leur team à Agen. À Agen, ils ont tout donné, ouais. Ils connaissent JDG, joueur du grenier. Qu'est-ce que vous faites? JDG?
Non, ils sont en train de remettre bien Twitch. On est en live encore là. T'inquiète, il y a là le. Ah ouais, putain, j'avais pas vu. Non, parce que là, ça va dans tous les sens là. Non, parce que les gars, pour vous expliquer, du coup, premier live avec la régie et tout, on essaye de configurer un peu la télé pour que nous, on ait le chat, on ait le retour du live, etc. Pour qu'on se mate un petit peu, voir si on est beau à la caméra, si on transperce l'écran, quoi. Si on n'est pas trop coincé. C'est important. C'est vrai qu'on est 5 sur le canap. Bon. En vrai, c'est Anthony qui a l'air d'être. Ouais, mais ça va. Ça va, je. T'as de la place, hein. Anthony, tu sais, il est comme ça. Bah, en fait, si non, je me mets au fond, ça fait un peu ça, là, tu vois. Et puis, je vous vois plus, je suis obligé de faire ça, là, d'ailleurs. Le nounours derrière toi, c'est. Le nounours derrière moi. D'ailleurs, les gars, j'ai préparé des petits jeux. Ah ouais. Je vous l'ai même pas vraiment dit. Ah, j'ai préparé 2 petits jeux. Oh, c'est bien. 2 petits jeux. Donc. Ok, un enfant. Non, mec, si on met Anthony, vraiment, il me bute. Ah bon? Ah, bah écoute, moi, je suis heureux là. Ah, c'est super. C'est trop bien. Mais en fait, on a besoin de dynamisme. Mais en fait, on est un peu en mode détente, genre, tu vois. Dals, Dals, tu connais. Non, mais tu peux pas comparer un live Twitch non, comme ça non, à non, Dals. Non, non, mais quand. Non, mais. Non, mais depuis le début de Dalsy, voilà, en fait, on est cool, quoi. On est détente. On est détente. Il n'y a pas de compète. Ah, même sur Dalsy, on est. Bon, il y a la pression de vouloir bien faire. Mais on est détente, genre, on kiffe, tout le monde est cool. À part peut-être. Non, c'est comme tout le monde est cool. C'est Alizée, t'es trop belle d'après Mila. Merci. D'après Mila. Ah, on nous voit. On a le retour. Bon, on a pas l'air coincé, ça va. Hein? On a pas l'air coincé, ça va. Ouais, non, j'avoue, on est plutôt pas mal. Les gars, est-ce que vous kiffez là l'ambiance, le décor et tout? En vrai, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est chambre. Là, je regarde le live, je découvre, je trouve qu'on est beau. On est pas en décalé un peu? Oui, si on est décalé. Si, on est un peu en décalé, on est sur le live là. Parce qu'il y a peut-être 5 secondes de retard. Ouais, c'est pour ça que regardez pas trop en fait. Ok, donc regarde en bas. Oui, parce que sinon t'es un peu. Ah non, j'ai déjà. Merci. Ça me tue parce que de base vous êtes quand même ultra professionnel à la télé. Et là, il n'y a aucun professionnalisme. Tu sais, attends le retour là, on n'est pas un peu trop. On n'est pas en retard là. Michou, t'es vraiment parfait. Ça, c'est le genre de message que j'aime. Ah ouais, ça change de cam au calme. Ah, la régie qui est chaude. En fait, tu regardes le live, toi. C'est pour ça que je disais qu'en retour, je suis pas. C'est génial ce live. Putain. Franchement, on adore. Ah ouais, moi, je surkiffe. Alors, c'est quoi les jeux? Les jeux, vous voulez qu'on commence premier jeu? Bah, ça dépend, c'est quoi le programme? Alors, premier jeu, je vais vous expliquer que le premier jeu. Premier jeu, j'ai préparé un jeu, c'est des espèces de tier list. C'est-à-dire que. Quoi? Tier list. Tier list? C'est quoi des tier list? Comme une tier list. Ah, je vais devoir vous expliquer le concept de tier list. Une tier list? C'est une liste. C'est une liste? Ouais, c'est une liste. Que tu tires? C'est un classement. C'est un classement. C'est un classement. En fait, c'est ça. On va faire un classement de notre. Comment expliquer? On va avoir un thème et on va faire un classement de notre préféré à notre moins bon. C'est un travail en fait. Ah! Un travail là en fait. Oula. Il est obligé d'engueuler la régie. Attends, c'est inquiétant. Mais ouais, en gros, on va faire un classement dans un thème de ce qu'on préfère ou pas. C'est trop bien. Ok. Il aime c'est monstrueux. Hein non, on fait jamais des trucs comme ça, c'est marrant. Allez, c'est parti, on joue. Cool, ouais. Ça et change du coup, tcha-tcha. Sauf qu'attention, ça va être particulier parce qu'en gros, on va piocher. Genre, on va avoir un thème, on va piocher et du coup, on va devoir classer sans même savoir c'est quoi les autres trucs. Ah! Donc si ça se trouve, ton classement, il va être un peu biaisé. Ouais. C'est pas mal. Ça va c'est dire. Pas mal. Voilà, c'est un petit concept un peu TikTok en vrai. Ouais, ah ouais dire... ah, toi, t'aimes bien. Ah là, il veut plus jouer. Ah, concept TikTok, attention. Là, j'ai plus envie là. Non, c'est fini, Christian, il se barre. Christian Baguera, je crois en vous. C'est vrai que là, on a le duo. À l'aise, on était comme ça tout à l'heure. Vous vous entraînez tout le temps. Nous, on ne sort pas des salles de répète. Ma petite Natou. Ça se passe comment les entraînements tous les deux? Ça se passe là. Mais ça se passe bien, hein. Ouais, non, ça se passe très bien. Christian, c'est quoi qu'on ne sait pas forcément sur Baguera que tu as remarqué? Ben moi, je ne sais pas ce que vous savez voilà. Déjà sur Baguera. Non, mais ça va. Non, ça va. Ouais. Non, c'est une travaillante, hein. Elle travaille très fort. Elle ne veut pas sortir de la salle. Ok, ouais. Zéro elle, pause. Elle veut continuer. Mais là, j'étais content. Alors qu'il y en a, parce y en a un ici. Ça sort, je ne l'ai jamais vu dans sa salle. Hein. Attends, ils ne font jamais de pause. Ils ne font jamais de pause. Ouais, c'est vrai. Je les vois que à la cantine le midi. Ouais, c'est vrai. Non, aujourd'hui, on en a fait une. Non, aujourd'hui, j'étais content parce qu'elle m'a dit je suis fatiguée. Aujourd'hui. Elle dit bon, je l'ai épuisé, c'est bon. Mais c'est aujourd'hui, vrai. Je vais dire Christian, là peut-être une petite pause. Ouais. Des fois, je passe la tête dans leur salle comme ça. Je fais comme ça, je la vois et elle est. Tu sens qu'ils sont morts, quoi. Ils s'entraînent vraiment. Ils bossent. Alors que toi. Non, mais nous, on bosse. Mais on fait des pauses. Et voilà, on prend 15 cafés, quoi. Ok.
C'est... Voilà. Il y a quelqu'un, il a dit, c'est bizarre. En fait, Anthony, il est drôle. Oui, mais c'est tout. Il est drôle. En fait, c'est bizarre. Alors, on fait bien qu'il ait quelque chose pour lui. Hein. Il fait du yoga. Non, Anto fait pas. Oh, Baguera, je t'attends au tournoi. Non, dis, Anto fait pas du yoga. J'ai vu Anto fait du yoga, il fait pas de yoga non plus. Ah non, j'essaye, je m'y mets. Fais du café. Je fais du café. Alors. Mais du coup, pardon, je t'ai coupé. Du coup, Baguera, elle travaille de fou. Elle travaille de fou. Non, puis elle est rigolote. Hein. Elle est énorme, Baguera. Ok. Ouais, ouais. Elle est rigolote et on a partagé. J'ai amené les chemises, hein, tu sais. Ah. Ah. Ça, vous n'êtes pas prêts. Hein. Ça, vous n'êtes pas prêts. Les chemises de Christian. Tu me dis, quand je peux les. Quand t'as envie qu'on les sorte, je les sors. Tu les as là? Ouais. Ah, tu les as amenés? Non, peut-être pas, non, peut-être pas. Est-ce que c'est mon sac ou pas? Non, faut garder pour le prime. Ouais, garde la surprise. Pour le prime? Non, parce que c'est vrai que Christian et Baguera, ils ont. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vu un petit peu, la chemise de Christian. Sachez qu'il en a deux. Hein. Oui, les chemises MDR. Il y en a peut-être qui savent de quoi on parle. Christian en a deux. Il en a filé une à Bague. Il y a quelqu'un qui a dit le son de Baguera n'est pas assez fort. S'il vous plaît. À l'aide. Il va falloir parler plus fort. J'ai pas une voix qui porte. C'est peut-être nous qui parlons très fort. Non, mais moi, j'ai vraiment pas une voix qui porte. Faut que je... C'est vrai que peut-être qu'on parle fort, on se rend pas compte. Peut-être mais vous avez vu, je vous ai dit, dès qu'on lance un live, on parle plus fort. C'est vrai qu'on rit fort, là. On rit fort. Je les adore. Putain. Allez, on joue. Avec Christian aussi, pareil. Tu veux qu'on joue? Avec ton son aussi, un peu. On va jouer. Non, enfin, je dis ça, mais en vrai, si t'as prévu un truc... Regardez. J'ai un premier truc. J'ai préparé trois classements comme ça pour le premier jeu. Du coup, le jeu d'un peu des tier list. Premier thème, c'est les pays. T'as classé les pays gastronomiques. Attends, la gastronomie des pays. Au début, t'as dit quoi? Ok. Alors, je recommence. Ça va être compliqué, hein. Tu sais, on va faire un classement. Ouais. Et du coup, le premier thème, c'est les gastronomies. Genre, comment tu classes la gastronomie des pays? D'accord. Donc là, on va piocher des pays. Ouais. Et genre, par exemple, je sais rien, tu tombes sur Italie, tu mets combien de 1 à... Attends, il y en a combien, Max? 10. Mais toi, tu manges juste des pâtes, de toute façon. Par exemple, Italie, tu mets combien de 1 à 10? Ok. Sachant que tu sais pas... ce qu'il y a après comme pays. Ok. Ok. Ça vous va? Du coup, on débatte. Elle disait, commence. Du coup, on va débattre. On va débattre. Évidemment. Je sais. Vas-y. Oui, parce qu'on sera pas d'accord, spécialement. Forcément. Bah, j'imagine. Après, quoi que, je pense qu'il y en a un qui se démarque un petit peu. Bon, on verra. Alizé, tu pioches? Elle a tout spoil, hein. On a vu tous les autres pays. Non, j'ai pas vu. Non, t'inquiète. Vas-y. Inde. Inde. Attends, t'en as pris deux? T'en as deux? Non. Inde, je pense que c'est... Je crois que t'en as pris deux. Ah oui, c'est... Ils sont bien collés. Bon, les gars, la prod... C'est normal. Inde. Bah, Inde en vrai. Inde en gastronomie. C'est bien banger. Moi, j'aime bien. Ah oui, les Indiens. C'est exceptionnel. C'est incroyable. Et en plus, je pense qu'en Inde, contrairement à ce qu'on peut manger ici, il doit y avoir tellement de saveurs et de trucs. Les épices. Moi, j'adore. Franchement, tellement d'épices. T'aimes pas les épices? Si, j'adore les épices. Moi, j'adore les pains nan au fromage. Ouais, les nan fromage. Les cheese nan, exceptionnel. Là, on est... Il y en a 10? Gars, il note. 6, 5, 4. 7. En vrai, je suis assez d'accord. Moi, je mettrais même un 3. Hein. 3 l'Inde. Niveau épices et variété d'épices. En vrai, et en plus, c'est 4, 5. 5, c'est bien. 5, c'est bien. Non, pas de 5. 5, c'est pas mal. Baguera, tu me parles 5, pas c'est bien. 5, c'est pas mal. 5, c'est bien. Bon, alors on coupe la poire en deux. Parce bah, on est 4. Non, bah. Ouais, elle est marrante. Bon, et on passe sur un 4. Puisque vous n'êtes pas d'accord avec moi. 4. Allez, parce que Inde, en fait, Indien, c'est quoi? C'est du riz, du poulet Non, justement, là, on parle pas d'Indien. Le poulet, le butter chicken. Non, mais même là. Je connais pas assez la question. On parle d'Indien qu'on mange en France, mais en Inde, je pense vraiment qu'il y a une connaissance des épices, des mélanges et tout. Christian, sors-moi ta chemise avec les buteux. Yes. Oh, le prismage. Soon. En vrai... Je suis d'accord t'es avec toi. Je suis super heureuse. Je pense qu'on peut mettre 4. Ok, tentons le 4. Allez, on tente le 4. Ok. Et eh ben allez, c'est parti. On valide. Attends, on est là dans le 4e, les amis. On fait un petit ordre comme ça ou pas? Ouais, on peut. Ah, bah vas-y, on va se faire un ordre pour nous retenir. Ouais. Ok, les viewers. Ça, t'es fort. Toi, c'est malin. Tiens, Baguera, toi. Ouais, je pense que je suis trop. Vous êtes prêts? Je suis trop à fond. Prochain pays, les amis. Regardez pas parce qu'on les bouge. Ça fait très, très bof. Italie. Ah, bah là. On est d'accord. On est d'accord normalement. Deux? Ouais, deux.
Non, mets pas un. Je te vois venir, pas un. Non, mais il n'y a que des pâtes et des pizzas. C'est ça. Attends, vous mettez quoi en un? En fait, moi perso, France. Ah non, je vous dis, moi je mets France. Ah ouais, non, moi non. France, moi j'aime bien la cuisine grecque aussi. Grecque? Ouais. Parce que là, niveau variété. Il va beaucoup à Mykonos. La Chine? En fait, niveau variété. Il est outré. Ouais. C'est une blague. En fait, la cuisine chinoise, t'as plein de régions. Et en fait, en très peu de déplacements, t'as vraiment des variétés de fou. Et moi, je mettrais la Chine en 1. Ouais. Ah ouais? Ok, bah alors, je sais pas si on va avoir la Chine et tout. En tout cas, là, on est sur l'Italie. Moi, je me dis. Un 2 est comme ça. 2 on prend pas de risque. Pas 2. 2 on prend pas de risque. Toi, c'est 1 toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur? Non, pas 1. Même un petit jab, c'est pas mal. Hein. Ouais. Un jap? C'est quoi un jap? Japonais. Ouais, mais japonais, c'est un peu moins varié. Un jap. Japonais, c'est bon, mais un peu moins varié. Putain. Regarde, ils disent quoi? 2, 3, 2. Non, vous êtes dur le chat. La force de l'Italie, c'est surtout que c'est le travail de peu de matière. Enfin, genre, c'est un peu la matière première. Tu vois, c'est genre très bonne huile d'olive, très bonne farine, ton machin, et tout le truc. Et du coup, très moins bonne dans pistache la... et très bonne mortadelle. Donc, c'est ça. Oh là là, mais laisse tomber les pâtes carbo. C'est bon ça. En fait, les gars, j'ai fait un voyage à Rome. Un vrai carbo, hein. J'ai fait un voyage à Rome, j'ai tellement bien mangé que je sais mais que je ne reconnaîtrai plus jamais ça. Bien manger ou manger pizza? Parce que moi, en fait, quand je suis allé... Pâtes, pâtes. En vrai, des pâtes. C'est bon, ouais. Mais c'est pas... Non, mais faut aimer, mais c'est pas partout que tu as des bons plats mijotés ou des trucs, tu sais, c'est pizza, pâtes beaucoup. En vrai, je comprends pour le 2, sur le côté pas assez de diversité, mais quand même. Je dirais, on va en 2. Moi, je suis pour 2, mais après, j'ai déjà fait forcing avant. Après, c'est mon pays, les gars, je suis italien, je suis obligé de défendre l'Italie. Regardez ah, t'es aussi. Italien, toi? Ouais, d'origine. Ah ouais, je savais pas, tu vois. Pourquoi? C'est pour ça que tu défends ton pays, là. Bah, un petit peu. Attends, je laisse une place pour le Canada. Bon, on met Italie en 2, les gars. 1 de 4, Italie 2. Ensuite, vas-y, Christian. À toi de jouer. Ok. Canada. Ça serait drôle, non? Espagne. C'est pas mal aussi. Moi, je suis espagnol. Moi, je suis espagnol, donc j'ose le dire, c'est pas si fou. Les quesadillas. Ah ouais? C'est pas si fou. Alors qu'elle est espagnole. Hein. Les quesadillas, tu connais. C'est mexicain. C'est comme ça. Les quesadillas. C'est même pas espagnol, c'est mexicain. Mais en fait, moi, je trouve qu'il y a des très bonnes choses. En plus, c'est très festif, c'est chouette à manger, tu vois, genre enfin, les pastrani. Tout ce classique tapas et tout, c'est cool. Mais est-ce que c'est vraiment fou et t'es un peu genre... Je suis d'accord avec toi. Non, moi, je mettrais un, en vrai, étant donné qu'on sait 4. Pas... Mais en tant qu'il est trop... C'est un élément perturbateur, Anthony. Moi, je pense qu'on va aller à 8-9. Non, 6. Non, 7. Non, moi, je suis d'accord. Moi, franchement, je pense qu'il faut descendre. C'est vraiment pas le pays de la gastronomie. 6. Attends. Attention. C'est bien. Qu'est-ce qu'on va mettre vers la fin? Parce que moi, j'ai bien... Franchement, l'Espagne, moi, je mange pas bien. C'est pas dingue. Ah ouais? C'est pas dingue. Ouais, je suis d'accord. Moi, Espagne, j'ai pas été régalé. Le saucisson là-bas, il est bon. Non, mais c'est bon, mais. Évidemment, tu manges beaucoup de friture et t'en as un peu. Le fouet. Le fouet, c'est très bon. Le fouet, c'est quoi le fouet? C'est un saucisson qui s'appelle le fouet. Oui, mais le fouet, c'est pas français? Non. Non, c'est espagnol. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ouais, mais il y a que ça. Non, il y a les. Non, il y a des petits tapas. Non, mais par exemple. Je mettrais 8 ans. Par exemple, le mexicain, ça va passer devant. Le jap, ça va passer devant. Le français, ça va passer devant. Moi, je prends 8. Allez, vas-y. En vrai, moi, je suis d'accord avec lui. Cherche pas, il a. Ouais, il veut même pas se faire. Regarde là. Ah, il est tombé par terre. Comment on fait maintenant? Non, je suis d'accord avec le 8, mais ça me fait mal au cœur parce que c'est quand même un pays. Putain, je parle trop fort. Ah, on a envoyé des subs là. Espagnol 8. Merci Pierrot. Merci Pierrot. Pierrot Lab, merci beaucoup pour les 10 subs. Je t'aime trop, Pierre. Attends, tac. Attends, Anto. Allez. Catalogne. Barça. Est-ce qu'on va trouver pire qu'Espagne? En vrai, il y a quand même. Ouais, oui, il y a pire qu'Espagne. Il faut pas mettre. Les États-Unis. Ok, tu manges trop bien au Mexique. Ça, c'est trop bien. Ah ouais? Tu vois, moi, ça serait presque mon premier. Ça. Quoi? C'est délicieux. La bouffe mexicaine, c'est délicieux. Non, mais c'est très bon, mais pas premier. Parce que vous mangez les Mexicains, juste des restos mexicains ici, par exemple, ils ont juste. Oui, c'est vrai. Il y a juste les mêmes choses, des tacos. Alors, t'as quoi comme restaurant? Les gens se disent banger 3. C'est trop bien le. C'est trop bon. 3. Ouais, moi, 3, je mettrais, je pense. Ouais, moi, je mets 5 aussi. Comme non, 3. Mais il y a la France, il reste. Il y a le Japon. En vrai, il y a plein de trucs. Ouais, même Corée. Ah ouais? Ouais. Corée, c'est exceptionnel. Kimchi, là. Non, en vrai, il y a le poulet. Ils me regardent comme ça, les gens. Il y a le poulet coréen. Il y a trop de trucs. Parce que kimchi, franchement. Moi, je dirais 5 le Mexique. Mais Mexique, c'est une nourriture qui est pleine de vie. Ah ouais, c'est trop. Il y a plein de vous mettez Mexique au-dessus de Inde.
Franchement, ouais, Mexique, c'est un vraiment un dinguerie. Ouais. Mais alors, là, et en plus, c'est vraiment le partage de la nourriture, le fait de manger tout ça. Ah non, elle a mis quoi? 5 4 Ouais, 4. Bah, attends, c'est marqué là. C'est 4. 4, 1, Espagne, 8. Moi, je mettrais vraiment 5. Regarde, les jeunes, 5. Ok, 5, c'est bon. 5, on valide 5. Ok, ok. Et je pense qu'on va avoir un classement plutôt objectif. Ok, ok. Donc, je mets partagé, on va dire. Ok. Tiens. J'y vais, je pioche. Tu pioches. Ah ouais, on l'a écrit. Tu me fais rire. Tu me fracasses. Mais j'ai rien fait de drôle. Ouais, mais justement, c'est ça qui le fait rire. Il faut avoir une petite rigide. Il se dit, attends, mais ce mec n'est pas drôle, pourtant il y a 18 000 personnes. Ouais. Putain, il y a une tonne. Ouais, là, il y a 18 000 personnes. Qui te regardent. Pour nous voir jouer des petits pays. C'est drôle. J'adore. C'est vraiment génial. Tu sais que... Oh, Japon. Ah bah, tu vois. Japon. Ouais, mais Japon, c'est très bon, mais. C'est pas le plus varié. C'est vrai qu'on passe toujours au sushi. C'est très bon, sushi. Mais c'est pas le plus varié. Il y a aussi les... C'est beaucoup de riz, beaucoup de poisson. Qu'est-ce qu'ils vont nous raconter? Les mochi. Oui, ça c'est bon. Mais les petites ravioles, là. Les raviolis? Les gyozas. Il y a plein de trucs. Dans le Japon, il y a plein de trucs. Parce que ça me fait peur, parce que là, on va mettre en dixième un truc qu'on aime, là, non? Ouais, c'est vrai que là, on met tous les pays en haut du classement. Moi, je mettrais 6. Moi, je mettrais 3. Est-ce qu'on n'aimerait pas manger 5? Ça, et on a déjà mis Mexique. Alors 6. Quoi? Ouais, je suis d'accord. Japon, c'est Mexique. Moi, attends, je mettrais faire, bah, qu'est-ce qu'on aime plus? On va mettre la France, on va le mettre en premier. De toute façon, premier. Moi, je mets la France devoir. En et après ça, qu'est-ce qui reste? Ah, il y en a un qui dit que gyoza, c'est pas japonais. Hein. C'est coréen, je crois, les gyoza, non? Ah, ah bon? Ah merde. Et regarde, les gens, la majorité, disent 6. Non, ça dit 6 et 3. C'est 3. C'est serré entre 6 et 3. Du coup, ça va être 6. En vrai, je peux comprendre pour 6, mais quand même les sushis, quoi. Oui, mais les sushis, c'est délicieux, mais tu peux pas compter sur un plat. Mais c'est 70% de mon alimentation, en fait. De quoi, les sushis? Ouais, mais là, c'est évident. Classique. Sushi pâte, c'est de pizza. Voilà. Sushi pâte pizza. Ouais, mais ça, c'est les fast food de classe. Bah, si, en vrai. Ouais. Si, ouais, c'est un peu ça, je suis d'accord. C'est les classes fast food, quoi. Moi aussi, ouais, chinois, putain. Ouais, j'aime bien les sushis. Ok, on met quoi, 6 ou 3? 6. Il reste quoi comme pays? Ouais, moi je pense que on sécurise assez. Ah, j'ai le seum. Ouais, j'ai un peu le seum. Ouais, moi aussi. C'est un peu le seum. Japon en 6, les amis. Moi, Inde, c'est pas au-dessus de Japon. On est d'accord. On a surévalué. Non. On a surévalué un des Mexicains. Le vrai Indien? Je vous avais dit, c'était l'Inde qui nous a niqué. Non, ça nous a niqué. Merde, on peut le dire, on peut le dire. On peut le dire. Oh, les niqués, moi, j'ai confiance en mon opinion. Ah, France. Ah ben. Oh. Allez. Bah, mon number one. Premier. France, premier. Ouais, en fait, on est très patriotes ici. En vrai, les amis, vive la France. France en un. Non, mais en vrai, la France. On mange très bien en France. Non, mais c'est vrai que la France a une gastronomie de fou. Parce que chaque région, déjà, a ses propres produits, son propre. Non, mais même. Ça, non, puis en plus, il y a. En fait, même dans les plats simples ou dans les plats travaillés, il y a tellement de choses. On mange plein de pièces de viande qui ne sont pas forcément mangées ailleurs et qui, du coup, sont travaillées différemment. Le pain, la viande. Bon, les gars, il y a le bœuf de Kobe. Oui, mais c'est bon, tu peux pas. Oui, mais c'est un truc. J'avoue que c'est bon ça. Non, mais quand même. Mais bon, on peut pas. Non, on a sous-estimé le Japon, je crois. Moi, je crois pas. Bon, la France est en première. La France est en première. Il nous reste. On valide la France. La France, ça me fait plaisir. Mais j'aurais vraiment mis le. Genre, je t'entends en parler, genre, les gars, c'est bon, vous avez mis la France en. C'est bon. Ça arrive, ça arrive. C'est ok, c'est marqué. Non, mais c'est normal, il y a du délai. Sur le live. Ah ouais, ouais. Il vient de comprendre qu'on regarde le live, du coup, il y a un peu de délai. Putain. Ok, vas-y Christian. Et du coup là, normalement, il ne reste que des trucs qu'on va mettre loin. Ça va être quoi le 10? Thaïlande. C'est bon la Thaïlande. Oh là là là. Ah, la bouffe thaï, c'est trop bon. Ça, c'est troisième. Mais Thaïlande, c'est exceptionnel. 10? Vas-y, dis-moi des trucs thaïlandais, vas-y. Les pad thaï, les curry, les bobounes. J'avoue, c'est trop bon. Troisième. C'est trop bon. Thaïlande, troisième. Souvent, c'est très avec la menthe et tout. Ça va être dur. Là, on n'a plus de place en haut. C'est pas le plus varié, mais on a plus beaucoup de choix. En mode 7 quand même. Oh non. Nous, ici, à notre table, ça mange thaï. C'est parce que vous n'avez pas assez bouffé. C'est sushi thaï. On met la Thaïlande en 3. Ah ouais, thaï, c'est trop bon. Allez, ensuite. Boboune, c'est Viet. Ah, bon. Excusez-nous pas de connaître. Retard. On connaît pas nos plats asiatiques. Ok. Bagheera, à toi. Allemagne. Ah, ben là, c'est bien dernier ça. Non, attends, il peut y avoir les États-Unis. Il y a les kebabs Allemagne. Ben moi, États-Unis, je mets demain.
Non. États-Unis. L'Allemagne, attends, l'Allemagne, il y a. Ouais, moi, bon. C'est... Franchement, il y a. Il y, y a les choucroutes. Allemagne, il y a les. Tu vas en Alsace. Il y a les bretzels. Choucroutes en Allemagne. Ah, mais c'est pas. Ouais, bah, ah, dis. Il y a les. Tout, c'est... En fait, c'est sûr que ça ressemble à la Suisse. Oh, moi, j'aime bien. Les gens, ils sont d'accord. En fait, c'est quand même incroyable à quel point tu peux très bien manger en France et si mal manger en Allemagne. C'est deux pays à côté. Non, tu manges pas si mal en Allemagne. Il y a l'Angleterre. L'Angleterre, tu manges bien. Ah, non, l'Angleterre, c'est le pire. Ah, ouais. Tu vois, faut garder. Les saucisses, ça doit être bon en Allemagne. Faut garder le 10. Moi, je mettrais. Bah oui, non, mais c'est vrai, les bouffes. Oui, oui, c'est vrai. Les schnitzel. Non, mais tout ce qui est. Ah, les schnitzel, c'est vrai. Tout ce qui est charcuterie et tout, c'est vraiment très bon. Mais c'est vrai que c'est un peu de la cuisine. C'est un peu comme en Suisse. C'est patates, fromage. Moi, je connais qu'un truc. Moi, j'adore. Moi, j'adore, mais tu peux pas le mettre dedans. Je connais qu'un truc de l'Allemagne, c'est les doner kebab. Mais c'est pas allemand, les kebabs. C'est pas allemand, kebab. Non, mais en Allemagne, ils font beaucoup ça et c'est super bon. Oui, c'est turc. Oui, c'est parce qu'il y a beaucoup. Ouais. Moi, genre, kebab, pour moi, la gastronomie allemande, c'est le donner. Bah, donc, c'est turc. Donc, c'est pas allemand. Donc, 10. Ok, bah, 10. Allez, 10. 10, les gars. Mais attendez, il peut y avoir l'Angleterre ou les États-Unis. Les États-Unis. Mais les États-Unis, ça va au-dessus. Mais quoi, ah, 9. Angleterre. Au moins, les États-Unis, ça. Laissons-nous un bénéfice. Ils ont inventé le burger, les États-Unis. 9, si jamais il y a l'Angleterre. L'Angleterre, c'est le pire. L'Angleterre, c'est le pire. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir la Corée? Il y a 10 Corées tout à l'heure. Mais bon, Maroc 10. Aussi. Moi je mettrais 10 Allemagne. Allez, 10. Putain, pas bête. Ah, si, c'est bon. Maroc, c'est super bon. Pardon, ouais, je prends 3 à cœur. Je suis en train de me rendre compte, je suis en train de prendre le truc 3 à cœur, je vous êtes sûr. En fait, c'est comme si on allait manger ça pour le restant de nous. Vas-y. Ok. Je pioche. Vas-y. Encore ? Espagne. Ah. Bon, il y a un problème. 9. De toute façon, en vrai, il reste 7 et 9 et il reste 2 papiers. Non, il y a un Espagne en trop. Allez, Alizé. Du coup, j'ai pioché rien. Angleterre. Ah ouais, oh, le fameux. 9. Ah, mais on a déjà. Non, mais trop tard, on a mis Allemagne en 10. Oui. Ah, bah 9 alors. Non, ah 9. Merde. 9, tu vois. Pas de débat. L'Angleterre, bah, ça reste 10. C'est vraiment pas bon. Bon, bah, on va piocher notre numéro 7 du coup. Le burger, c'est allemand. C'est vrai que le burger, c'est allemand. C'est allemand, burger. Non. Si, si, c'est vrai. Ah ouais. Ouais. Bah, on met pas le burger en dernier alors. Je suis bouche bée. Bah, c'est trop tard, on a déjà posé. Non, mais on a mis le burger en 10. Je savais pas que c'était allemand, burger. C'est pas américain. Burger, c'est vrai que burger, ça fait un peu allemand. Ils s'appellent, oui, souvent leur nom de famille, c'est Hamburger. Hamburger. Des trucs comme ça. En fait, c'est un peu raciste. Non, mais ils disent des trucs comme ça. Oui, mais avec l'accent, c'est pas systémique. C'est pas raciste, c'est pas systémique. Non, mais c'est comme on est sur Twitch, les gars. Hamburger. Hamburger. Et donc, du coup, ça vient d'Hambourg. Mais j'ai vraiment appris. Ah, t'es chaud. C'est trop bien, Twitch. Voilà. Les gars, faut lui apprendre des trucs pour qu'il kiffe Christian. Du coup, les amis, notre numéro 7, c'est... Les USA. USA. Okay. Bon, vrai, ah, les va, USA. Ça passe, ouais. Les USA devant l'Espagne, ça me fait mal, quand même. Bah, franchement, le classement, moi, je change quasi rien. C'est pas si mal. Franchement, ça sort. Ouais, petit changement, mais sinon, enfin, l'ensemble. Là, vous changeriez quoi? Moi, je change. Angleterre, Allemagne, USA, Espagne. Et Inde, Japon. Non, moi pas. Mais bon. Ouais, moi aussi. Moi, Inde, Japon, et France, Italie. Et s'il y avait eu Maroc, j'aurais bien placé aussi. Maroc. Ouais. Maroc, là, j'aime bien, moi. C'est pas mal, Maroc aussi. Maroc, c'est bon, hein. Marocain, il y a vraiment des dingueries. Les méchouis, on les tagine. Et les petites crêpes le matin. Là. Ouais. Oh oui, c'est bon ça. C'est vrai, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, c'est quelque chose. Hein. Comment ça s'appelle ça, les Marocains? Bah, les Ah oui, les petites crêpes. les Marocains. Les msemen. J'arrive pas à le dire. MSM? Semen. 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 Vas-y, dis-le. Une semaine. Une semaine. Ça, c'est trop bon. Ouais. Ça, c'est trop bon. En vrai, Maroc, je pense vraiment, je mets en 4. Ouais. Ouais. Ouais, 4, 5. En tout cas, merci de nous suivre tous les soirs comme ça. Voilà, c'était notre petit classement. Après, j'ai d'autres jeux. Enfin, j'ai d'autres classements. Il y a classement un peu film. Oui, Dalcy. Film trilogie. Et Dalcy. Et il y a un petit classement Dalcy. Ah, ouais, ça, Dalcy. Ça, je peux me chauffer. Vous voulez le classement Dalcy? Ouais. Oh. Oh là là, et là, bah là, allez. Là 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 là. Couscous. On a fini notre tier list des meilleures gastronomies. Les copains. Attends, mais Dalcy, c'est des. C'est... Attends. Tier list Dalcy. Dalcy, c'est l'émission qu'on est en train de faire. Tier list Dalcy. Mais... Je vous explique. On va noter qui sont les gens les moins sympas. Oh.
Non, je rigole. J'avais jamais dit ça. Ah, j'étais chaud bouillant. J'allais dévoiler tout ce que je pense depuis le début. En vrai, on va noter les gens les plus... Comment je pourrais expliquer ça? Les plus... Ça a l'air compliqué, tant que ouais, ça. Ouais, ça a l'air... Non, les moins concentrés, en fait. Ah, ah. D'accord. Les plus un peu tête en l'air. Ok, bah vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a regardé, elle m'a fait, bah ok, c'est bon, c'est... Ah, non, je crois qu'elle a un autre non, mot. Il y a compétition. Non, non, ah oui. Il y a compétition. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, je sais de qui tu parles. Voilà, les plus dissipés. Les plus dissipés. Voilà, okay. On va noter les gens les plus dissipés de l'équipe d'Alcy. Ok, allons-y. Sachant qu'encore une fois, il y a 10 personnes. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je serai pas dans les dissipés. Il y a 10 personnes, donc... T'es dissipé normalement. Il n'y a pas tout le monde. Ah. Donc, faut pas le prendre mal. Donc, faut pas le prendre mal, ok. Si on n'est pas dedans. Ok. Il n'y a pas tout le monde. Oh, il n'y a pas tout le monde. Et je peux savoir pourquoi? Pour faire un top 10. Parce que c'est un top 10 et au moins... Tu peux pas dire, ah, attends, on va attendre pour le premier parce qu'il y a ce nom-là qui arrive. Ouais. D'accord, pas sûr. D'accord. On n'est pas sûr qu'il arrive. Ok. Regarde, les gens, ils ont déjà fait classement. Les gens ont déjà fait classement. C'est déjà fini, là. Ça arrête là. Ok, Nico, comment? Oh, il y a Bouzy dans le chat. Non. T'inquiète. Il a mis. Ah, ouais. Ah, oui. Mon Bouzy, je l'aime tellement. Il y a une vraie histoire d'amour entre. Ah, ouais. Entre Bouzy et. Si vous savez la suite, ce qui va se passer. Attends. Vous êtes prêts? Ouais. Mon préf. Jordan. Jordan. Jordan Mirac. Il est pas d'ici. Ah, c'est sur 12 le classement? Ok. Ah, mais c'est-à-dire qu'il y a tout le monde? Ah! Faites pas les timides! Bah, en fait, Jordan, il est pas dissipé. Okay, on va pouvoir faire un classement. Jordan, il est dissipé après l'émission. Ouais, mais il n'est pas en soirée. Non, Jordan, ça va, il est concentré quand même. En vrai, ouais. Jordan, il est concentré pendant le truc. Ouais. Surtout des fois, moi, je propose des musiques, tu sais, pour Dalcy, je m'amuse un peu, je propose des musiques un peu drôles. Ouais, lui, et à chaque fois, Jordan, il est en mode. C'est vrai qu'il est pas drôle. Non. Non, mais bon, là, Micho. Il est drôle malgré lui. Tu vas nous faire danser sur ça, t'as un peu abusé. Genre, bande organisée, il m'avait dit. Ah ouais? Ouais. C'est drôle, putain, j'aurais pensé qu'il kiffe justement. Ouais, mais après, je pense qu'il kiffe, mais il est en mode. C'est pas le seul c'est avoir... dur de danser dessus. Ouais, mais c'est pas le seul à avoir tiré la gueule sur mon organisme. Il aime bien paraître bien dans ce qu'il fait. C'est vrai, t'as raison. Il y a un côté perfectionniste un peu. Donc, du coup, il est pas très à l'ouest. Attends, hein. Un, c'est le plus dissipé? Ouais, un, c'est le plus dissipé. Donc je pense qu'il est plus dans le milieu. Non, pas milieu. Non, 8, 9? 7, 8. Ah ouais, très. Est-ce que c'est des gens plus. Mais attends, si on y est plus. Mais attends, c'est bien. Bah ouais. Il y a des gens bien plus dissipés que lui. Ah, je mettrais 8 moi. 8 ou 9. Mais 1 c'est le plus dissipé. Hein. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais il est pas dissipé, genre. Non, justement, non. C'est pour ça que je dis plutôt. Ça nous embrouille le cerveau, ouais. Les gars, ce jeu. 10. Moi je mettrais 9. Hein. Ah ouais. 9. Ouais, allez, okay, on met 9. Okay. Allez, 9. Quand même, 9. Hein. Ok, d'accord, 9. Non, il est pas dissipé, Jordan. Vas-y, après, parce que toi, tu le connais bien en tant que pote. Ah, moi, je le connais même à l'extérieur. Il est dissipé à l'extérieur. Oui, mais pas dans Dalcy. Ouais. C'est vrai, c'est vrai que là, on parle de Dalcy. Ouais, tu as raison. Alors, ça compte pas à 9, c'est bien. Ok. Vas-y, Baguera. Ok. Ah! Oh, Christian! Christian, il est pas dissipé. Si! Ah, Christian! Dans les vestiaires, il peut dissiper. Ouais, il a quand même ramené une chemise avec des tubs partout. Ouais. Christian, il aime bien quand justement c'est le moment d'être un peu à l'ouest, tu vois. C'est vrai. Il y a quand même ce côté. Moment, je suis sérieux quand c'est le temps, mais par contre, quand je déconne, ça part. Ouais. Et il te fait rire. Ouais. Et il te fait rire. Je peux dire qu'il te fait rigoler, Christian. Christian. Mais bon, après, ça reste quand même. Enfin, t'es quand même quelqu'un de pas. Oui, je suis modéré. Ouais, t'es. Bah, 6-7, hein, un truc comme ça. Ouais, je mettrais juste au-dessus de Jordan en vrai. Ah ouais? Un tout petit peu plus dissipé que Jordan. Jordan, on l'a mis en combien? Attends, c'est pas que les danseurs. Hein. Non, il y a tout le monde. Lui, il est déjà en train de faire son classement dans sa tête. Là. Oui, ouais, c'est ça, parce qu'on connaît un peu le bas du classement. Christian, ouais. Mais hey, les gens, ça me tue parce qu'ils répondent comme s'ils connaissaient bien tout le monde. Christian, c'est sûr, c'est 6. Moi, je mettrais un 7. Un 7. Ouais. Ouais. Pour un 7. Allez, okay, pour un 7. Allez, Christian, en vrai, 7. C'est milieu, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est milieu. Ça veut dire que t'es assez fun et en même temps, tu vas voilà, être bien dissipé quand même. Ok. Ouais. Allez, je pioche. Mais du coup, je pense t'y es dedans, toi ? Moi, je pense pas que j'y suis. C'est ce que j'allais dire. Ouais, je pense pas que j'y sois. Mais et toi, si t'y étais là, tu te mettrais quoi ? Je répondrai après. Allez, vas-y. Natou. Natou, ouais, Natou. Ah, tu connais bien, toi. Il y a la. Mais non, moi, si j'y étais. Mais elle est aujourd'hui, elle était dissipée. Ah, était dissipée. Ça dépend des jours. Ouais, il y a des jours où elle est. Ok. Elle est comme ça, elle est vraiment elle est tétanisée. Tétanisée carrément. Ouais, ouais, parce qu'elle a peur et c'est normal. Et là, des fois, elle était en forme. Donc en moyenne, quoi.
Au milieu, Natou, je cinq, six. Ouais. Non, six, c'est le milieu. Mais j'ai l'impression que Natou a laissé quand même de faire trop de blagues. Pour se cacher dans... Ouais, le diable. En vrai, elle a été focus. Elle se sert de son autodérision, son humour. Attention, ouais. Parce que les gens vont lui envoyer ce qu'on dit. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pas méchant ce que je dis. Ne critique pas, Anthony. En vrai, 6, non? Ouais, 6, c'est bien. 6? Mais non, mais même en vrai, elle a été focus là. Enfin, ouais. En vrai, c'est ouais, plus on mettrait qui après en dessous? C'est plus un 7, hein. Qui est dur. 8? 8. Ah, c'est toi. 8? Ouais. Ouais, 8 en entre vrai. Christian et Jordan. Allez, je pense que c'est bon. Maintenant, on va mettre qui en haut là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y en a plein. En... Qui sont les plus sérieux? C'est pas facile. Les plus sérieux. Parce que là, il y a trois très sérieux. Elsa, direct. Ouais, Elsa, j'ai un peu. 13, Elsa, 13. Inès et Gaëlle aussi, les trois dernières. Gaëlle, ouais, Gaëlle. Les trois dernières. Ouais, Gaëlle, Elsa, Inès, j'ai un peu que tu sais que c'est concentré. Gaëlle, elle peut être pas mal dissipée. Ouais, Gaëlle. À l'entraînement? Ouais. Ok. En tout cas, moi, si pour de vrai, tu m'as posé la question tout à l'heure, si je devais me mettre dans le classement, je pense que je me mets quand même très bas. C'est vrai que t'es pas dissipée. Genre, de mon souvenir de Dals. T'étais zéro dissipé. Ouais, même t'étais zéro. En vrai, de vrai, j'étais concentré. T'es un bon élève? Ouais, plutôt. Hein. En vrai, sérieux, machin. De temps en temps. On se demande pourquoi il était sérieux. Il y en a ici qui n'est pas très sérieux. C'est moi ce que je veux exprimer. Il était concentré à l'entraînement. J'étais concentré. Ça rigolait pas avec tout le monde. Ouais, j'étais concentré, c'est vrai. Elsa, on refait. C'était quoi déjà le pas là? Je pense qu'on peut refaire 2 heures d'entraînement. Je comprends pourquoi il avait les dents standard du coup. Hein. Tu peux me remontrer le mouvement? Voilà, Elsa, bon. Je crois qu'on va le refaire le porté. Ouais. Il y a certains mouvements que... bon, bref. Voilà, ça c'est dit. Je pioche. Vas-y. Oh, là on a un challenger. Ah, Nico. Mais est-ce que t'es vraiment déconcentré en salle? Ouais, mais on est quand même haut. Hein. Bah, je pense 3, non? Ah, je pense qu'il est bien déconcentré quand même. 4. Ça partait vraiment. En fait, 4 parce qu'il y a aussi... Il est très blagueur après de ce qu'Elsa me disait quand même. Attention, je me renseigne sur les danseurs. Je me renseigne sur les danseurs. De ce qu'Elsa me disait, il était quand même... focus. Ouais, mais on l'a beaucoup vu quand même dans les couloirs. Ouais, t'es vraiment sur les couloirs avec, avec son, il avec sa caméra. Du coup, il venait faire un peu de réaction, tu vois. Il venait montrer à tout le monde le pas du logo. Oui. Samedi, je vais placer. Samedi, je place. Hein. Il l'a placé. Ouais, c'est trop bien en plus. C'est vrai que Nico, à chaque fois que je parlais, je disais alors ta danse en mon face à face. Ouais, il parlait plus du face à face. Lui, il voulait faire que le face à face. Le cha-cha. Ouais, le cha-cha, c'est pas grave, le cha-cha, ça compte pas. De toute façon, je sais que j'irai au face à face. Donc, le face à face. En vrai, non, je lui mets un 4-5, un truc comme ça, non? Non, 3. Ah ouais? 3. Ok, 3. Ah ouais, non, 4. Bah, c'est juste que je vois pas les gens hyper dissipés. Moi, je le mettrais en fait, 4. En fait, pour moi, là, vu l'équipe, même le 1, ça sera pas giga dissipé, tu vois. Non, parce qu'on est pas. Il n'y a pas des fous. En vrai. Il y a Anthony quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a Anthony. Non, je suis pas. Moi, en vrai, je suis. T'es dissipé. Non, je suis dans le milieu, là. Anthony le Bouzeux, c'est pas mal les top. Non, le Bouzeux, ouais. Tu vois, ça se voit que t'as passé des moments avec Bouzy dans les couloirs. Mais à sa défense. Ils montent sur lui tout le temps, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai en plus. À sa défense, quand on s'entraînait, il était hyper sérieux. Ouais. Qui? Bouzy. Ah, Bouzy, ah, ouais. Ok. Quand il s'entraîne, il était sérieux de ouf, ça c'est vrai, okay. Il blaguait pas. Je pense que je me défense. Jusqu'à ce que tu le mettes en ballon d'argent. Ah ouais? Ouais. Mais c'est vrai que moi, je disais, c'est touchant de voir qu'il s'applique autant. Ouais, je suis d'accord. Il rigole zéro, je pense que je suis plus déconcentré que lui. Alizé surtout, wesh 1. Non, c'est pas vrai. C'est lui qui a dit ça? Il a mis allié surtout, wesh 1. Attends, il sait pas écrire, Bouzy. Non, il était comme ça. Bouzy est dissipé, disons-le. Même dans son ordi. Mais par contre, là, il était nicotine. Nicotine, 4. Non, je mettrais 3 du coup. Quand allez, 3. Ouais, je pense, ouais. 3. Ouais. Allez, on met Nico. Mais comme on dit, même le 1, c'est pas tant que ça, parce qu'en vrai... Alizé 1, il a dit. C'est fou. Alizé 1, ah ouais, à ce moment-là, Bouzy. Non, il abuse. Je me déconcentre plus que lui, ça c'est sûr, mais 1 abuse. Mais toi, ah, donc, t'es concentré, toi. Hein. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que si tu me lances sur quelque chose, je fonce dedans, tu vois. Genre, c'est si vrai. Tu me lances la balle, je vais rattraper la balle et je vais partir faire autre chose. Et Dieu sait qu'il y avait des ballons dans votre salle. C'est vrai, il jouait tout le temps la balle. Il a failli casser plein de trucs. Ah ouais, vous avez fait du basket. Moi, j'ai failli lancer le ballon sur la cam. Il a failli casser une tonne de trucs qui sont pas en fait, je vous le dirais, il avait posé la cam aussi. Ouais, tu sais, il y a plein de ballons. Il a failli casser plein de trucs de Dals, hein, pas de Dalsy. Il y a rien à foutre. Il tirait sur le ballon, bam, bam. Il fracassait tout, mais c'est drôle, il est marrant. Voilà. Ok. Bon, prochain nom, Christian. Ok. À toi de jouer. C'est notre piocheur, Christian. Alors.
Ah, Domingo. Oh, il est focus. Non, hein. Oh, il est... Ah, c'est juste focus. Il est détente, Domingo. Ouais, il est détente de ouf, lui. Des gauleries. Non, mais c'est donné. Enfin, là, tu... Il est sérieux. Oui, il est sérieux. Ouais. Quoi. Sérieux. Sur Dalcy. Vous et Domingo, vous êtes les deux couples les plus dissipés. Disciplinés. Tu mets en bas. Hein. Ah ouais, ouais. Domingo en 10, genre. Même 11. Ah non, parce qu'il y a Elsa et Inès quand même. Ouais, faut les laisser en bas. Okay. Ouais. Inès 12, Elsa 11, Domingo 10. Ouais. C'est-à-dire que tu mets Gaëlle? Ah, je mettrai Domingo 10. On verra après, Domingo 10. Okay. Mais tu vois, Christian, ouais, putain, merde, on a un peu fait de la merde. Ouais, je crois qu'on va se rendre compte qu'il est un peu bancal, notre classement. J'ai dit merde. Hein. Oh, j'ai dit merde. Ah, c'est bon, tu... C'est vrai que j'aurais dû être un peu plus haut, finalement, non? Ouais. Bon, trop tard. On met Domingo en 10. Putain, Domingo vrai, plutôt sérieux. Dit, Christian, il devait être plus... C'est vrai que, ouais, on s'est un peu... Vous me dites là si vous voulez pas que j'ai de la place. Plutôt sérieux, Domingo. Je sais pas, je suis là depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Ouais, non, c'est vrai qu'à partir de là... Non, mais c'est bien. Alors, c'est attends. Parfait. Tu y vas ? J'y vais. Le bouseux vient à mon mariage. Ça, ah bah, Elsa Bois. Oh bah, ah. Bah 12 ans. Ma non, mais attendez, c'est pire Elsa ou Inès ? Non, je pense moi, que c'est pire, que... c'est pire Inès. Inès pire ? Inès, ouais. Je pense Inès un peu pire. Inès, elle est à son les affaire. Les deux, elles sont ouais, mais Inès, carrées, j'ai l'impression que des fois... Des fois, elle peut déconner. Inès, c'est ça ? Ouais. Mais pas longtemps, hein. Je pense qu'Inès, c'est d'accord. Non, il faut vite reprendre. Hein. Non, en vrai, elles sont cool quand même. Non, mais elles sont gauleries. Après, j'avais vu un truc comme ça sur Dals où Inès, elle mettait un chrono en mode. Oui, elle... Là, pendant 5 minutes, t'as plus le droit de parler. Oui. Ah ouais. Fond, en même temps. Elle met des chronos. Ah ouais. Ah, ça, François Père. Comme ça. François Père. Florent Père. Ça me fait pousser. Christian, il connaît pas Twitch, il connaît pas les humoristes. Il connaît pas la France. Ça m'arrive tout le temps. Le cuisinier. Ça m'arrive tout le temps. Le cuisinier sur M6. Elsa en 11. Elsa en 11. Ouais, 11. Ouais, Inès en 12. 11, ouais. Bon, allez, on met Elsa Ouais, je suis d'accord. En vrai, on est tous d'accord. Elle rigole facile. Comme Alizé. Ouais, mais elle rigole. Elle est bon public. Ouais, mais elle rigole et après, c'est bon, ta gueule, maintenant, on avance. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Mais quand même. Ouais, c'est bien ce que vous avez fait. C'est bien. Elsa en 11, c'est bien. Qui va ? Allez, Anthony. T'as envie. Inès. Bah, bon, bah 12. Bah, super, bah. Super. La seule fois où je tire. C'est 12 en dessous. Ouais, 12 c'est en dessous. C'est pas la seule fois où je tire, on sait déjà la réponse. Elle est dégoûtée. Tiens, retire ça. Ouais, merci. Ah, en plus, t'es même pas sur le canapé. Vous voulez que j'aille là-bas ? Donc, je disais. Ça va la régie? C'est long la pioche. Tiens! Ah bah tiens! Alizé! Alizé! Mais là on est obligé de te mettre en haut. Hein. Bah à écouter Bouzy, il la met bien haut. Bouzy, si t'es là, dis-nous. Objectivement. Objectivement. Mais bah, il va pas la placer. Être objectif. Objectivement. Il va pas être objectif. Ça marche. Ah, ça y est, c'est pas vrai. Même lui, il sait que c'est pas vrai. Il a répondu au taquet. Attends, non, en vrai, Alizé en 1, c'est hard. Hein. Non. Un petit 5. Mais attends, on peut pas mettre Alizé 6 et Christian 7. Ouais, c'est vrai. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Christian, on a peut-être un peu. Ben non, Christian, je vous ai dit, il fallait le mettre. On aurait dû inverser Christian et Domingo, je pense. Non, moi, je suis plus discipliné que ça. Mais oui. Ouais. Ouais, ouais, Christian, vous vous rendez pas compte, hein. En vrai, Christian, il peut pas partir dans ces trucs. Tu parles, tu tapes des barres avec lui. Hein. Ah ouais ? Ah ouais. Il y a des vidéos que vous voulez pas voir. Je te jure, tu te montres des trucs. Oh, la régie qui a fait une erreur sur le nom d'Inès, mais c'est pas grave. J'allais dire quelque chose, quand même. Faut pas. Non, rien du tout. T'allais dire quoi ? Non. Faut pas dire ça en live parce que du coup on est encore plus curieux. Je sais, mais là je peux vraiment pas. Okay. Ah, ok. Bah, pas de problème. Tu me dis plus tard. Alizé, moi je mettrais 4. Bah, du coup, ouais. Ouais, 4 ou 5, non ? Il reste encore qui là ? Anto, Bagheera, Gaël. Dans les plus dissipés, il reste Anto, il reste Bouzy. Il reste. Mais il reste qui ? Ouais, je mettrai Alizé 4. Allez, vas-y, 4, sinon, hop, tac. T'as Alizé, t'es quand même en haut du classement. Ouais, je suis en train de me dire. Mais là, t'as des choses à nous prouver. Hein. T'es en haut du classement, Alizé. Hein. Tu vas nous prouver que t'es dissipé. Mais c'est une rebelle, celle-là. N'empêche, quand il pense, Nico, il était avec Elsa. C'est vraiment un des plus dissipés avec la plus sérieuse. Ouais. Ouais, mais elle blague pas. Pas si mal, du coup. Ouais, ça devait être hard. Hein.
Alors que du coup, Alizé, le bouseux. T'as vu le comment c'est. Ça voilà, fait... j'ai plus rien. Attends, ça fait. Ça fait vraiment. Je suis en otage, j'ai plus deux semaines dans ma chambre d'hôtel, j'ai plus rien. C'est énorme. Ok, j'y vais, les gars. Ah, il y a une erreur dans mon nom aussi. Attends, il y a pas. Il y a deux L, deux T. Anthony Colette. Anthony. En vrai, moi j'ai mon avis. Il est dissipé de ouf. Moi, c'est mais tu, en vrai, objectivement, tu me trouves dissipé. Moi, je mettrais un. Objectivement, juste comme ça. Mais en fait, le truc, c'est que, le, on va dire que personne n'est. Ouais, mais personne n'est vraiment. Mais toi, du coup, t'es, ouais, toi, t'es mais presque ouais. le plus. Moi, tu vois. Moi je pense que t'es un. Mais vous rigolez. Non. Sérieux. Parce que je pense que Bouzy, on a l'habitude de le voir blaguer. Mais c'est vrai qu'Alizé a l'air de dire qu'en salle d'entraînement. Ça taffe, quoi. Toi, tu fais quand même des petites vannes. T'essayes de. Bah, il faut faire des pauses, hein. voilà. Anthony vit pour les pauses. Il faut savoir que moi, à chaque fois que je viens aux entraînements pour voir un petit peu et tout, Anthony, je l'ai jamais vu dans sa salle. C'est vrai que tu m'as dit ça tout à l'heure. Mais oui. Tu m'as dit ah, pourquoi à chaque fois t'es pas dans la salle. Mais à chaque fois. C'est vrai. T'es à côté de la cafetière et t'es là, t'es bien. T'es avec ta petite caméra, tu me dis. Eh, mais c'est quand le prochain live Twitch? Et il y a son... faire un vlog là. Et il y a son vlog, il suit partout. Mais du coup, il voit vlog quoi? Ben, je sais pas, le on va voir. Je lui ai dit enregistre tout, on verra à la fin. Mais c'est, du coup, c'est caméra café le vlog. Pas de danse du coup. C'est caméra café. Non, il m'a dit aujourd'hui, il avait quasiment pas filmé de danse. Ouais. Mais attends, je m'explique. Quand je dis ça, c'est qu'il a pas filmé la danse, bah parce qu'il prenait des pauses à ce moment-là. Oh putain. Ouais, bon, mais excusez-moi. Allez, mettez-le en 1. Mettez-le en 1. On est d'accord. Ouais, ouais. Anthony 1, les gars. Top, top. Non, parce que vous pensez que c'est Bouzy le 1, mais en vrai... Non, 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 non. Je pense même que Bouzy est peut-être sous nicotine, en vrai. C'est qu'il fait le rigolo, mais il bah, est ouais, mais il est quand même très sérieux. Hein. Mais c'est, je trouve. Et tu m'as dit qu'il s'énerve en salle d'entraînement. Il s'énerve pas, mais il se. Ouais, il se frustre. Ça l'énerve. Ouais, ça l'énerve. Quand il commence à taper contre le mur, c'est quand même. Comment ça lui péter les couilles. Fais plus de la place, il va tomber. Oh, c'est pas grave, vas-y, t'inquiète. Je sens plus ma fesse droite. Ah, oh, c'était comme ça la sensation du canapé, j'avais pas senti. T'as vu, il est bien. Il est bien. Il est fort, hein. Du coup, là, il a toute la place. Ouais, c'est ça. Il a une place de roi. J'ai une petite crampe là qui vient d'arriver. Attends deux secondes. Baguera, vas-y. Je te jure que c'est bon en plus. Ah. Bouzy. Oh, bon, bah deux. Bah deux, hein. Bouzy ouais. Deux, ouais. Bouzy deux. Elle a quand même dit Bouzy deux, Alizé. Hein. Bah oui. Ouais, t'as pas trop hésité là. Non. Ouais, il reste qui, Gaël? Gaël, Il reste Gaël et Baguera. Ah oui. Bah, oh. Il reste Gaël et Baguera. Baguera, on va la mettre plus dissipée que Christian, ça veut dire là? Ouais, c'est pas juste. Bah, je pense que je suis plus dissipée que Christian. Ah ouais? Ah ouais? Parce que Christian avait l'air de dire tout à l'heure quand même que tu faisais zéro pause. Chips. Ouais, mais. Je sais pas. Oh, le jeu d'enfant. Oh, écoute, hein. Et ça, c'est quoi? C'est pas un jeu d'enfant qu'on va faire? C'est vrai, ça va. C'est un peu vrai. Pas très dissipé, mais moi, je pense que quand même, Baguera, il est plus dissipé que Gaël. Moi, Gaël, je l'avais pas du tout dissipé. Hein. Ouais, c'est vrai. Vous avez mis complètement en bas. Mais en fait, moi, c'est parce que Gaël, je la vois souvent avec Natou. Et quand Natou et Gaël, elles sont ensemble, c'est quelque chose. Ah, mais c'est différent. C'est très drôle. Enfin, moi, ça me fait gonnerie. Ouais, sinon, c'est vrai que Gaël, je pense que c'est juste. Je pense que ça taffe, quoi. Ah, Gaël et Natou, Gaël, ça taffe de ouf. Bah, sinon, de toute façon, elle aurait pas mal quand on a mal là. Mais non. Mais elle taffe avec qui alors si toi, t'es à cafetière? Non, Gaël, elle est à la. Ah, je pensais Natou. Gaël, elle est avec Jean. Vous savez ce qu'il voulait dire. Il dit Natou, elle taffe de ouf. Là, je suis là. Natou, elle se fait des conversations là. Tu n'étais pas là. J'ai appelé un gars, tu as fait la bosser. On verra au prime. Bon, du coup, on est d'accord. Baguera 5 et Gaël 6. Ouais. Putain, Baguera, t'es haut dans le classement du jour en vrai. Bah, Alizé aussi, elle est haut. Ça taffe. C'est vrai. Non, Alizé, elle mérite sa place. Ah ouais, tu trouves? Oh, ouais, je pense. Alizé? En stream. Faut que tu nous prouves ça la semaine prochaine. Je pense qu'Alizé, elle mérite sa place. Alizé, elle me massacre. Le classement est pas méga bien, pas méga réaliste, mais pas mal quand même. C'est dur parce que je pense que le milieu, il est pas. Ouais, c'est vrai que tout le monde t'a bien. En bas, c'est ok, la question, c'est ok, mais là, il y a. La question, elle est pas facile. C'est Christian qui a tout faussé. C'est de ma faute. C'est encore toi, mec. C'est encore comme toujours. Ah là là. La question, elle est pas facile après, en vrai de vrai. Allez, on fait un autre jeu. Allez. Toi, t'es à fond dedans, là, ça y est. C'est trop bien, on se régale. T'es à fond dedans. Allez. Encore une autre tier list ou on s'en garde une pour la fin?
Qu'est-ce qu'on fait? Il reste quoi là à faire de Non, mais c'est nous qui décidons. Ah, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait? Tu en penses quoi, toi? Ah bah. Hein? Voilà, il parle. Et Kerchak? Il parle à toute l'équipe. Oh non. Kerchak, dissipé ou pas? Ben. Franchement? Un peu quand même. Un peu, hein? Un peu. Ah ouais. Mais moi, il me fait gaulerie. Hein. Il est grave sympa. Moi, j'ai pas trop parlé. Si, si, moi, je vais parler. Franchement, il est marrant. Moi, je l'ai trouvé drôle. Mec, il me tue quand il arrive. Salam alaikum. Ça, ouais. Et il t'avait ça, toi aussi. Tout le temps. Je vois arriver un mec en cobo, je me dis qu'est-ce qu'il fait. T'as qui fait salam alaikum, j'ai fait toi aussi. Pareillement. Je savais pas quoi répondre. Tu fais toi aussi, de pareil. Pareil. La même chose pour toi. J'ai un peu soif, on peut boire de l'eau. Ouais, vas-y, je vous ramène l'eau. Ça me fracasse. Merde, je sais pas quel verre est à qui. Attends. Kerchak et Michou sur une salsa, mon rêve. Attends, moi j'ai parti en pause pipe, on vous laisse. Moi je vous laisse prendre le verre. Allez, Alizé, d'ailleurs, on se fait. Anime, c'est la bonne, les gars. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Voilà. De quoi? Mais Anto, tu me fumes de rire. Tu sais que je pense que t'ouvres un Twitch. Mais je vais le faire. Je jure que je vais le faire. C'est vrai? Je le jure ici, là. Combien de gens il y a? Wow. 21 000. Bon, je me suis peut-être chauffé. Non, je t'ai c'est ouf. Je jure que je vais ouvrir un live Twitch. Ça, c'est bien. Tu vas ouvrir un live Twitch. Mais c'est pas ça qu'on dit? Une chaîne Twitch. Une chaîne Twitch, pardon. Bah, ouvrir un live, oui. Et je le fais en... On est quel jour, là? On est jeudi. On est jeudi. Non, mais jour de l'année. 14 mars. Ok. Je vais le faire fin mars, début avril. Oh. C'est ambitieux un c'est peu, bientôt. Non? C'est ambitieux, non? Ah, c'est bientôt. Tu répètes encore. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Genre pour. En vrai, non. Tu parce que là, j'ai l'impression. Tu... Après, vous, c'est une grosse prod, non? Mais. Genre, moi, je vais pas avoir tout ça, tu vois. Ouais. Et surtout, moi, j'ai l'habitude. Mais en vrai, t'ouvres un compte Twitch et après, tu peux streamer avec ton téléphone, même. Ah ouais? Bah, vas-y, je vais le faire. Demain. Je vais me faire un petit bureau. Ouais, tu peux faire avec ton tel et tout. On va voir si ça marche. Ça marche, c'est pas grave. Vous allez voir, je vais vous faire un les gars, tous les danseurs d'Alci vont devenir streamers. Mec, tu vas faire, je vous préviens. Tu le fais? Jure le cul fait. Je te jure, je le fais. On fait le petit doigt. Oh non. Allez, voilà. Ça va là, ici. Vous avez l'image? Ça va streamer. On peut pas le voir parce que c'est en décalé. Les futurs streamers. Ils sont là, les futurs streamers. Anthony. Christian, voilà. Et je crois qu'Inès, pareil, hein. Elle est en mode... Ouais. Non, mais moi, ça me chauffe. Hein. En vrai, c'est trop bien, mais c'est juste... Les gars, les danseurs d'Alci vont devenir streamers, c'est pas une blague. Et je vais m'inventer un nom de streamer. Oh non. Vas-y, ce serait quoi? La bouclette. Oh. Pas mal. C'est pas mal. La bouclette, c'est pas mal. Ou Monsieur Snow. Ah. Ça, c'est stylé, Monsieur Snow. Ça fait un peu... Mystérieux. Mystérieux et Jon Snow. Ouais, la chaîne de... Ah, t'as vu le dernier live de Monsieur Snow, là? Je suis morte. La dinguerie, oui. Vous avez des idées de noms? La Colette, c'est Antoinette. Bien. Ouais, non. Respectez-moi. Antoinette, c'est pas... Antonini. Antonini. Ah, Antonespresso. C'est pas mal, c'est pas mal. Antonespresso, c'est pas mal. Lord Commander, ça, c'est pas mal. C'est un peu prétentieux, mais... Mister Snow, ah, Mister Snow, ils aiment bien. Hein. Mister Snow. Bon, la bouclette, moi, j'aime vous bien. Vous avez trop de Mister Snow. Ah ouais? La bouclette, mais ça fait... Ouais, ça va, en vrai. Et puis les gens ils connaissent Anthony Bouclette. Anthony Bouclette. Camille Combal, il m'appelait comme ça avant. T'as déjà une. T'en rappelles? Ah non, tu t'en foutais, t'étais que sur Alzheimer. Je sais pas du tout. Ouais, moi je voyais pas les lives pareil que vous, les gars. On est arrivé à la. Oula, excusez-moi. On est arrivé à la fin de la saison, il m'a dit: t'es sur l'émission, toi et tout. Qui ça? Non, je disais, il était tellement obsédé par Elsa qu'à la fin de la saison, je le croise, je lui dis bonjour, il fait: ah, tu bosses sur l'émission, non? Enchanté, tu fais quoi? T'es régisseur et tout. Allez, on continue. On peut faire encore une liste. Sinon, moi j'avais pensé à un truc. C'est quoi? Oh putain, qu'est-ce qu'il va dire? Moi je voulais, comme ça. Parce que, non, mais on est avec trois danseurs. Donc je voulais un moment apprendre un nouveau pas de danse avec Bags. Et voir un peu les capacités d'adaptation. Moi, je pense que mon cerveau, il apprend un nouveau pas aujourd'hui, j'explose. C'est vrai que toi, t'as fait à peu près 6 heures d'entraînement aujourd'hui. Ouais. Puis elle beaucoup, est... beaucoup de nouveaux pas. Enfin, beaucoup de nouveaux trucs. Et là, ce qu'on a préparé pour le face-à-face, les il gars. Est cool, ouais. Ah, c'est vrai? Oh, avec les chemises. Hein. Bah, j'ai hâte que vous alliez au face-à-face. Bon, mais on sinon, aimerait quand même passer. On peut te voir apprendre un pas. Ça fait longtemps qu'on ne doit plus apprendre. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas appris un pas.
Donc tu me laisses tout seul dans la galère là. Non, je vais être tout seul dans la galère. Tu fais des vagues, les vagues comme ça. C'est toi ça là? Vague avec le corps? Ouais. Je peux essayer de quoi? C'est Miguel, c'est Fichou ça. De pourquoi? Les emojis. Ah, putain, j'aurais trop envie de. Ah oui, les emojis, c'est moi, ouais. Mais t'as été blanc comme ça. Just Dance. Oh, c'est vrai. De quoi? Vous sur Just Dance. Je suis nul. C'est vrai? On est comme des merdes. Mais non. Ah, je suis mauvais, je te le dis. Mais attention, parce que moi, Just Dance, je suis un monstre. Mais ça m'étonne pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est chiant. Tu... En fait, c'est tellement des mouvements un peu. En vrai, tu fais pas les vrais mouvements. Bah, si, il faut. Bah, mais si. Non. Bah, moi, tu me vois dire le mec, il fait ça sur le truc, toi, tu fais juste ça. Mais ça non, mais c'est pas le but. De toute façon, tu mets même plus les manettes maintenant, tu mets juste la danse et t'essayes de faire en même temps. Tu sais, cette vidéo YouTube. Ah ouais. Ok. Ah ouais, tu fais ça, toi? Non. J'avoue que moi, je fais. Là, on découvre des choses. Moi, le mec, il fait un pas de ouf, je fais juste ça. Bah, voilà. Ah donc tu danses même pas? Oh, danses même non, pas. Ouais, si, non, vas-y, quand même. Regarde, regarde, Domingo et Inès ont fait Just Dance. Just, on fait, Just Dance. Wow. Wow. Ouais, ils ont dansé tout à l'heure. Ils ont dansé ensemble. Inès et PA l'ont fait, c'était archi marrant. Vous les connaissez, Just Dance? Ah, moi, je fais ce que vous voulez. Vas-y, vas-y. C'est toi le chef. Eux, ils ont quand même leur crédibilité de danseur et ils sont en mode. Ouais, bon. Mario Kart, c'était pas mal sinon. Ok, j'ai compris. Allez. Je crois qu'on est en trop. Mais en tout cas, pour de vrai, moi je suis chaud, vous m'apprenez un pas de danse. Pardon. Et on voit comment j'apprends. Ok. Anthony, tu veux lui montrer un truc ou on a préparé là, il y a de la place. Vous m'apprenez un pas. Faire des petites vagues. La wave. Petite wave avec les bras. Non, mais la wave, je vais vous choquer aussi. Bah vas-y, choque-moi. Bah ouais. On vas-y, montre-nous la wave. Là, venez. Attention, allez. Venez, regardez, on va se lever. Bon, on va plus avoir le chat, Anthony, je suis désolé. Hein. Je reste assis alors. Je suis désolé. Allez, le chat, suivez-nous, on vous amène dans les coulisses. Et je sais pas si on nous voit bien là. C'est bien ou pas? On nous voit bien? C'est bon, nous, on nous voit plus. Le boys band. Ça va, pas. Non, mais tu sais. Tu veux faire celui-là? Oui, c'est quoi ces waves de fou là? Ou alors. Attends, qu'est-ce que c'est bien là, Val? Hihi! Oh, un petit pas de jive là! Non, je sais pas ce qu'ils vont m'apprendre, je sais pas ce qu'ils vont m'apprendre, ça me terrifie. Le pas de Jean-Marc. Mais oh, regarde, je veux voir un peu la wave. Vas-y, la wave. Wow! Il y a un petit quelque chose. Ça reste coincé, je refais la sortir. Ça fait. Hein? Ça reste coincé. Ah, donc comme ça? Ah ouais? Parce qu'il a démarré par le cul. C'est cute? Comment ça, je démarre? T'as fait un truc genre, t'as voulu démarrer là et t'as fait d'abord ça. Ah merde! Ok. Donc. Et oh, il faut que je te raconte un truc, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut. Non, je peux pas le dire là. Vous le verrez dans les vidéos prochainement qui vont sortir. Non, mais pourquoi? Ce que je disais, on a fait un truc sur What, tu verras, c'est drôle. Tu peux pas le dire? Bah, ça va casser un peu le truc, je pense. Natou, elle est en train de préparer quelque chose. Ok. Voilà. Ok. Excusez-nous, j'ai coupé l'ambiance. Ok, non, mais je suis curieux. Du coup, je suis curieux. On verra ça. Ouais, ouais, vas-y, normal, je sais pas. La vague, ça part de là, tu sais. Ouais. Tu pars de la tête. Ok, de la tête. C'est comme si tu faisais paf. Ok. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un bon début, là. Là, tu t'es tordu. Ouais, je me suis cassé le cou. C'est le torticolis, ça s'appelle. Je me suis cassé le cou. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais tu rentres plus là. Tu pars plus là, et après ça, le corps. Et là, tu. Ah, mais là, vous faites. tu me pousses là, juste. C'est ça la vague. Bon, bah, fais la vague comme ça là. Voilà. Michou, je disais qu'ils étaient dissipés, les gars. Vous voyez, moi, j'essaye d'apprendre sérieusement. Parce qu'en fait, tu démarres. Tu as fait ça au début. Ah, merde. Ok, vas-y, fais-moi en une. Regarde. Pars avec la tête et après ça, le corps. Oh. Et après, tu reviens. Putain, mais je l'ai pas aussi bien. Ah ouais. Ouais, ça a craqué. T'es en forme, toi? Pas mal. Pas mal. En fait, faut l'abuser, en fait. Tout est abusé. C'est que d'abus. C'est que d'abus. Ouais, il manquait un petit truc, mais dans l'idée, c'est ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un nouveau pas un peu dur que je peux apprendre? Mais ça, tu connais ça ou pas? Mais c'est quoi? Ah, je l'ai fait un peu au jive. Je crois que je n'ai jamais appris ce pas en plus. Ah non? C'est le truc de Jean-Marc. Ouais, c'est ça, il fait toujours ça. Devant, derrière, côté, sur place. Devant, côté. Derrière. Devant, derrière. Ah, devant, derrière. Il y en a trois. Côté, sur place. Devant, derrière, côté, sur place. Ah, tu mets côté. 1, 2, 3, ici. C'est ça. 1, 2, 3, et après, c'est quoi? Sur place. Sur place. 1, 2, 3, et 4. 1, 2, 3, et 4. 1, 2, 3, et 4. Yes! Putain, mais moi, j'arrive pas.
Je suis bon ? Je suis une chèvre. Je suis meilleur qu'Anthony, les gars. Allez, c'est fini un, pour moi. 1, 2, 3 et 4. Ouais. Mais il a voilà. En fait, je suis danseur, les gars. Je suis danseur ici, je vous ai dit. Mais tu l'as vu, toi. Attends. 1, 2, 3 et 4. Bah, tu l'as. Mais non, s'il y en a un que j'ai pas là-dedans. Mais oui, là. Tu l'as. Ah ouais ? Oui. Ok. Non, c'est le E4, il est comme ça. Eh. C'est un petit. C'est un petit. Non. C'est un petit danseur. Tu rigoles ou quoi ? C'est pas du muscle, ça. Bah, je sais pas, t'es bien dur. Ok, je sais pas quoi faire. T'es bien dur, bizarre, c'est inquiétant. Le... Ça commence à être bizarre. T'es bien dur, il est bizarre. Ouais. On sur le canapé. T'es bien dur. Je peux aller aux toilettes ou pas ? Oui, vas-y. Bah, oui. Super, juste à ton micro, donc. Ah ouais, merde. Mais mute-toi. Pensez bien la régie à mute. Sinon, on va attendre des trucs un peu bizarres. Attends, je suis en train de déplaindre ma tête. Titre. C'est bon, titre. Ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre le thé bien dur, mais. Putain, mais la qualité elle est exceptionnelle quand on dansait. Ouais, c'est bien, hein. Putain, on est beau là. Regarde, t'es bien. Ah, en vrai, les gars, j'ai été impressionnant en danse ou pas? Mais c'est vrai que, tu sais, je me surprends moi-même comment j'apprends vite maintenant les pas de danse. Oui, mais parce qu'en fait, quand t'as fait une saison entière, oh, à un moment donné, longtemps, en plus. T'as 2-3 chorés à apprendre en une semaine. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. La finale, hein, on a appris 3 chorés en une semaine. Ouais. Donc, c'est vrai que t'apprends beaucoup plus vite les pas de danse. Mais moi, tu vois, Dals, il y a quand même un truc où... Alors, ça m'a aidé dans plein de choses et en vrai, ça m'a décomplexé. Mais maintenant, je prends un retour de Dals qui me complexe parce que... Les gens, comme je suis allé en finale de Dals, ils sont en mode « Non mais Michou, il sait danser, en vrai, il sait danser. Ouais. » Et du coup, en soirée, les gens s'attendent à ce que je fasse des pas de fou. Alors qu'en vrai, je suis juste devenu plus fort pour apprendre des chorés. Mais je ne suis pas meilleur danseur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En vrai, on ne vous apprend pas la base des danses. On vous apprend des chorégraphies pour faire le show à la télé. On n'a pas le temps, en fait. Ouais. Donc, même sans vous... Tu dirais « Ok, danse un cha-cha », tu saurais faire ta chorégraphie de cha-cha qu'on t'a appris, mais tu ne saurais pas faire la base de cha-cha. Voilà, exactement. Et du coup, les gens ont l'impression que je suis trop bon danseur, alors qu'en vrai, juste j'apprends mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Tu me dis donc voilà, les gars, je démystifie quelque chose. Mais même nous, je ne suis pas un danseur de fou. Hein. Même nous, les danseurs, on s'attend salut la commune. En soirée. On ne danse pas beaucoup en soirée. Hein. Je danse jamais. Sauf que quand il y a « J'irai où tu iras » ou à la limite une salsa bachata. Attention, « J'irai où tu iras ». Sauf quand il y a « J'irai où tu iras ». À celle-là, je suis debout. Quand il y a « J'irai où tu iras », Alizé. Je suis sur la table à ce moment-là. Je suis déchaîné. Mais en vrai, vous mentez. Parce que je suis sûr que là, je vous mets Alizé et Christian là-bas, vous faites une chorée en 2 ans. Oui, mais c'est parce que c'est pas en soirée. Non, mais des fois en soirée, en fait, on n'a pas trop envie en vrai. Étant donné qu'on danse tous les jours, les gens ils veulent qu'on danse en soirée, mais en soirée, on est là pour décontracter et on veut pas danser quoi. Je suis d'accord. Pire. Moi, les soirées salsa, c'est pire. En soirée, il dort. Non, il boit. Alors ça va. Tout se passe bien pour vous. Vous pensez vraiment que je vais danser? Non, mais c'est comme si un dentiste, il allait en soirée, on lui dit oh, j'ai un truc à la dent, là, tu veux pas avoir 2 minutes? Tu vois, c'est chiant, c'est son métier. Oui. Il a envie de se... C'est comme les ostéos qui veulent... Ben, c'est ça. Ils vont pas masser tout le monde. Exactement. Ouais. Voilà. Mais j'avais remarqué ça avec Elsa. Hein. Toutes les sorties que j'ai fait avec Elsa, elle a un pas de danse qu'elle fait en boucle. C'est lequel? Bachucada. En fait, je sais pas, elle met ses mains comme ça. Et tu vois le pas que je parle ou pas? Elle s'agite. Non mais c'est genre, genre elle a juste ses bras collés à son corps et en fait elle danse que comme ça. Elle a pas le rythme quoi. Ouais, attendez parce que j'ai... Tu veux pas nous montrer comment tu fais? C'est Elsa, pas Alizé du coup. Ah, je croyais Alizé moi. Non, Elsa. Ah, excuse-moi. Non, mais non, ah, je croyais Alizé. Non mais t'inquiète. Mais tu vois Alizé, le pas que tu as 5 minutes. Oh là. Non, je vois pas, mais Elsa je l'ai vue genre 3 fois en soirée, à peine. À tout casser. Oui, c'est vrai qu'elle sort jamais. Non mais Elsa elle aime pas. Non, elle sort pas Elsa. Elsa, c'est on l'a mis 11, hein, c'est pas pour rien. Oh, tu l'as fait passer pour Elsa, c'est dodo 21h30. Non, Elsa, c'est dodo 4h quand elle est là, vous jouez jusqu'à Pokémon, là, jusqu'à 4h du mat. Vous jouez à Pokémon enfants. Ah, je joue à Pokémon un petit peu avec Elsa. On c'est lequel de jeu? On essaye de capturer des shiny. Le Let's Go. Ah, ok. T'as joué au Let's Go? Non, jamais. Je vois ce que c'est, mais j'ai jamais joué. Il est exceptionnel. T'as joué, toi? Ouais, il est cool. Il est trop bien. Je crois que Baga, là, tu vois tout ce qui existe. Hein. Déjà non. Pokémon. Non. Il y a plein de jeux que j'ai jamais fait, moi. Alors, en tournée, moi, étant donné que je faisais le tour de la France, Pokémon, c'est génial. Pokémon Go. Mais oui, tu allais partout, j'en avais de toutes les sortes et tout ça. Mais là, après, quand je l'ai tourné, c'était en 2017, ça. Ok. Mais il y a eu un Let's Go sur Switch. C'est trop bien. C'est une réédition du Pokémon Game Boy de l'époque. Ouais, ouais.
J'aime bien le Switch. Moi, j'aime Assassin's Creed. Ok. Voilà. Ouais, on n'a rien à voir. On s'en branle. Non, mais c'est bien. T'aimes pas, toi? T'as jamais joué à ça? Si, si, j'aime bien. Il a lancé un jeu vidéo au pif. Comme t'aimes ça. Pas, toi, ça? Moi j'ai pas trop joué, mais c'est pas grave. Non, c'est chouette, mais il y a des meilleurs jeux. Bah, je me tais, c'est pas grave, j'arrête de dire des choses. Non, top un jeu, Anto, Assassin's Creed. Alors, ça, c'est celui auquel j'ai le plus joué, sinon en ce moment, les trucs classiques. Je le verrais bien sur le Ouais, j'ai jamais joué, mais je vois ce que c'est. Je te verrais bien. Ouais, et classique, FIFA, les machins comme ça, ouais, ça va, j'ai joué pas mal. Minecraft? J'ai jamais essayé. Oh, purée. Et je suis sûr que j'aime si j'essaye. En fait, dès que j'aime un truc, c'est fini. C'est sûr que je vais. En plus, c'est chronophage. Sur le Minecraft, tu tombes accro. Ça a l'air compliqué. Non. Fortnite. T'as joué? Ouais. Ok. Moi, je suis pas un monstre. Parce qu'en fait, dès que les mecs commencent à construire des bâtiments, ça me gonfle. Ça va. Venez, on se tire dessus. Mais non, mais venez, on se tire dessus. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a le mode Nobile maintenant. Ils construisent des trucs là. Mais ouais. Non, mais je jouais à World of Warcraft. Hey, un jeu avec l'accent. J'ai joué à World of Warcraft. J'ai vu le jeu. Mist. Mist? Ouais, je connais pas du tout. C'était un peu mystérieux, ouais. Très cool. Jamais je ferais ça en stream. Parce que c'est de l'énigme et des trucs comme ça, vas-y, laisse tomber, mais ouais, c'est super. Mais il faut que tu joues à Outer Wilds. Je vous ai déjà tous dit, mais joue à Outer Wilds. À quoi? À Outer Wilds, ça me fait préféré. Ouais, tu m'en as parlé la dernière fois. Ah ouais, elle a fait la promo. Et c'est quoi C'est son jeu à Bagheera. Mais en fait, on me demandait un jeu, tu sais, genre un peu perle à découvrir, qu'il faut surtout pas se spoil, parce que sinon tu peux pas y jouer. Ok. Mais tu me disais, si tu l'as commencé et que tu as joué une fois, tu peux plus rejouer. Ah ouais, les gens, ils sont en mode méga banger. Ah ouais. Mais si je trouve qu'il y a un peu, tu sais, pour découvrir ce que le jeu vidéo peut créer comme expérience, et ben ça en fait partie, tu vois. Ah ouais. Ok, trop cool. Allez, elle sait pas de quoi on parle, la pauvre. Elle est en dehors de la conversation. Mais tu joues un peu à des jeux. Ordi. Ouais. Tiens, c'est vrai que je t'ai jamais vu jouer. Le seul truc auquel j'ai joué un petit peu, c'est les Sims. Trop bien les Sims. C'est trop bien les Sims en vrai. J'aime trop. Qui n'aime pas les Sims? Non, mais franchement, les Sims, c'est trop marrant. Mais quand j'étais plus jeune, je pensais qu'il fallait créer des amitiés comme ça, en plus un, moins un. Et en fait, quand je leur parlais pas pendant longtemps, je les appelais parce que j'avais peur de perdre des points. Quoi? J'étais un peu mal. Tu calcules. Que vous dites qu'il n'est pas dissipé. Il calculait ses connaissances comme ça. Oui. Là, on a fait un live ensemble, il est en mode, ah, c'est plus une connaissance. C'est bon. Maintenant, on est amis. On est amis. Plus 5. Il avait une feuille chez lui. En fait, alors aujourd'hui, j'ai mis ça. Plus 1. Tu vois, la liste aurait dû dire les amitiés dans la tête de Christian. Avec les gens. Tu vois, sur combien de barres? Je pense que là, il te fait le top 12 instant. Je voyais l'amitié un peu bizarrement, mais bon. T'as un Christian, tu me fumes. Un peu bizarrement. Okay. Dofus, ouais, j'ai vite fait jouer Dofus. Ouais. Dofus, ouais, moi j'ai pas joué du tout, j'avoue. Je passe à côté. Elle a saigné Dofus. Ah ouais? C'est vrai qu'elle a poussé Dofus. Bah, arrête tes conneries. Ouais. Non, pour de vrai. C'est quoi Dofus? Je suis sûr que tu vois. Que ça. Dofus, c'était un jeu sur l'ordi à l'époque. Enfin, je te dis encore, je suppose. Mais ça marche moins, non? Je sais pas. À l'époque, toi, tu jouais à quoi, Christian? Ben, je disais Warcraft ou Myst, ou sinon je jouais à Mario Kart, j'aimais bien moi. Oh, ah. Les petits Mario Party, et j'ai Mario Kart. Et là sur Mario Kart. Et je suis pas bon sur les nouveaux, les nouvelles consoles. Hein? Je pense que tu me fumes, mais je pense que... Mario Kart? Tu sais que j'aimais bien aussi sur le PlayStation VR, les trucs d'horreur. Ouais, ça c'est J'ai jamais trop joué au VR. Il y en a un en fait que t'es dans un... c'est comme un roller coaster un peu. Tu vois, et tu es dans un petit wagon. Un roller coaster. Tu te promènes. Un roller coaster. Ça, roller coaster tycoon. Ça c'était trop bien. Ah oui, ça c'est génial. Ouais. Où tu construis tes trucs, c'est le feu. Et SimCity. Et SimCity. De ouf, SimCity. Qui est maintenant City Skyline. C'est quoi ça? C'est le nouveau Sims. Comment tu l'appelles? City Skyline? Skyline. 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 Il est canadien? Non. Il a un petit accent quand même. Il veut trop voir une squad, Michou, Anto, Christian et Bagheera. On la squad Fortnite. En vrai, par contre, Alizé, on ne peut pas la voir apparemment. Un peu méchant le chat. Le chat, vous êtes méchant. Mais c'est vrai qu'Alizé, ça fait 3 minutes, elle ne parle plus depuis qu'on parle de jeux. Je ne connais pas. Alizé, les jeux, elle s'en fout. Mais c'est vrai que tu joues à aucun jeu. Non. Mais tu fais quoi au quotidien? L'anglais d'Anto est claqué. Bah, je sais pas. Je suis surpris. Ça va, ça veut dire que non. Mais tu joues jamais, t'aimes pas les jeux? Non, c'est vrai, j'ai jamais. Même sur mon téléphone. Et des jeux de société, des trucs. Ça, on y jouait beaucoup, beaucoup quand on était petite. On a fait genre, tu sais, les jeux sur la Wii. Ah ouais, la Wii. On jouait des ouf, genre la Wii Sport, machin. Ah oui, c'était que ça. Mais jamais sur l'ordi. À part les Sims. Non, mais la Wii, c'est exceptionnel en même temps. C'est trop bien.
Mais il y a encore des jeux qui marchent sur la Wii là aujourd'hui. Bah, les gens n'achètent plus réellement les Wii parce qu'il y a la Switch et tout. Mais en vrai, la Wii, quand tu y repenses, en vrai, c'était phénoménal quand c'est sorti. En fait, c'était tellement bien ciblé sur l'aspect familial. Et du coup, tout le monde a commencé à y jouer sans que ce soit un gamer puant. De ouf. En fait, du coup, c'était. Non, je montre un peu, j'arrête de parler. Bah, moi, pour le coup, tu vois, comme j'ai fait beaucoup de gaming, je live beaucoup et tout, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un gamer de fou. Alors qu'en vrai. Moi, je pense ça. Ouais, mais je joue quasiment qu'aux jeux familiaux. Genre Mario Kart, Mario Party, les jeux Nintendo un peu. Ah, pour moi, t'étais genre. Minecraft, Fortnite. High level des... en France, genre. Bah, pas tellement. Je pense que genre, je suis sûr que je parle jeu vidéo avec toi, la moitié de ce que t'as joué, je connais pas. Je pense que je joue plus que toi, ouais. C'est mais sûr. Après, bon, moi, déjà, je joue même en dehors des streams, tu vois. Ce qui est très rare. Souvent, les gens hors stream, ils jouent plus du tout. Des fois, tu fais tes streams. En fait, j'essaye de garder au moins un ou deux jeux hors stream qui sont pour moi. Parce que sinon, en fait, je me dis, je fais pas ça parce que j'aime. Tu vois, okay, ouais, bien sûr, je vois. En fait, t'aimes bien te retrouver chez toi, pas parler et être juste ça, t'en fous. Peut-être de temps en temps, juste, t'as pas besoin de commenter tout ce que tu fais. Tu fais juste ton truc, ça fait trop du bien. Et j'aime vraiment les jeux vidéo, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc qui me. Non, un petit silence, un petit tu peux, silence. Non, tu peux continuer à parler, Baguette. C'était intéressant. Il a raté sa bouche. T'as pas sourire à la place de la gueule. Un petit peu. Oh là là. Michou, tout le monde dit que Inox est mort, c'est vrai. Oui, bon. Bah, les gars, voilà. Je vous l'annonce comme ça. Sans émotion. Oh là là. Anthony, je t'aime, message supprimé par un modérateur. Je sais pas ce qu'ils ont. Ça doit être Pierre, il est jaloux. Je sais pas ce qu'ils ont contre toi, les modos. Ah oui, c'est Pierre, le modérateur, il est jaloux. Il a misé un modérateur. On est comme ça, lui et moi, je peux te dire. Il aime pas ça. Ça fait plusieurs fois qu'il supprime des trucs. Pierrot, je suis toujours là pour toi, t'inquiète pas. Allez, et GTA. Ah, GTA! GTA! Ouais. Et le 6 là? Ouais. Oh, le 6. Oui, mais 6, il va sortir dans 3 ans, donc. Même 2025. Même j'attends que ça. Moi. Oh là là, ça va être le feu. Mais j'avoue que je pense GTA, le moment où GTA sort pendant un mois, je ne fais plus. C'est pareil. C'est évident. Je me focus GTA. Et comment ils t'ont créé un trailer et que le jeu il sort dans 2 ans? C'est ça. Quoi. Non, mais ça, c'est vraiment. Je vais jouer sur ma chaîne Twitch à mort. Personne n'y a cru une seconde. Wow, il y a eu gros blague, mon frère. Non, mais vas-y, mais on y va. GTA sur Twitch. Je pense qu'il y aura des gens. Non, je disais, on réagit pas parce qu'on est fatigué, c'est pas parce que. Oui, voilà. T'as bien bossé, Bagheera. On se met à un dernier classement. Allez, classement. Magnifique. Les gars, dernier classement. Je vous ai préparé classement des films. Ça, c'est bien. Et je pense que là, ça va être intéressant. Trou dans tes chaussettes. Anto, il y en a trois de trous dans tes chaussettes. Non mais attends, c'est une cata, t'es... Ouais, attends, mais t'as un trou au talon, t'as des sous-mains, au gros pouce. J'ai un chat dans la gorge. Ah, moi, je fais. Allez, on est pauvres, les danseurs. Ouais, bah écoute, ça le but. Des dents pour... Dals, il paye pas de ouf. Et Dals, encore moins. Alors, si jamais tous les subs de ce soir seront reversés aux danseurs. Voilà, merci. Envoyez ça. Anthony pourra se racheter des chaussettes, les gars. N'hésitez pas. D'ailleurs, merci infiniment, les gars. Tous les subs qu'il y a eu et tout, je sais pas si vous êtes là et tout. Mais tous les subs qu'il y a eu, les follow pendant le live d'Alci, du coup, j'ai pas pu vous remercier vraiment. Ah, ils ont envoyé pendant le live d'Alci aussi. Ouais, j'ai gagné 1500 subs pendant le live dans cette liste internet. Et c'est. Et c'est. Pas lui payer des c'est ce que j'allais dire. C'est remercier ou tu veux pas remercier un petit. J'aurais peut-être envoyé des petites chaussettes là. au moins deux, trois paires. Mais c'est ce que je fais d'habitude en un mois, genre. Ah ouais. D'accord. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est vraiment énorme. C'est dingue. Non, c'est beaucoup. Hein. Je m'en rends pas compte. C'est énorme alors, ok. Putain. Ah, il y a Soso Manes qui en avait envoyé 20. Ah ouais. Les subs de Soso. Ah, oh, il est là, Soso. Anto, il est en couple avec Alizé, vraie question. Je chiale. Alors, c'est. Bon, allez, la petite tier list. On est comme ça. Allez, on envoie la tier list. C'est parti. Les amis, tier list film. C'est film un peu trilogie, plein de choses. Oh, j'adore les trilogies. Voilà. Là, je pense qu'on va se battre parce que moi, je suis vraiment à l'opposé. Mais toi, attends, moi. On va pas s'entendre du tout. Ouais, je pense. Je vais vous mettre ça bien parce que ce oula, que vous là, pensez. Wow, il est remonté là. Oula. Ouais, il est vénère, Christian, carrément. Il veut se battre. Ah ouais, je veux bien me battre. Je sais très bien ce que je vais les mettre en haut et moi, je suis pas d'accord. Je pioche en premier. C'est sur combien, Max? C'est sur 10. Donc c'est un top 10, sachant qu'on ne sait pas ce qu'il y a encore une fois, on va découvrir petit à petit.
Oh, on commence par labyrinthe. Ah ouais, on est allé là. Tout le monde c'est connaît ça. Ouais. Ouais, mais je suis pas comme un ouf. J'ai bien aimé le premier, après ça m'a saoulé. Premier, deuxième, et après. Non, moi je trouve qu'on était. Le premier. C'était un peu un moment où on était dans cet essor des trilogies adolescentes un peu SF, etc. Genre, et que labyrinthe, ouais, ça a été un peu celui de 3, à mon avis, dans la je suis pas comme un ouf. Ah, moi j'avais bien aimé labyrinthe. Il y en a qui mettent en indirect. Est-ce qu'on parle de... Non, de trilogie. On parle de tout en entier ou on parle de. Ça, mais celui-là, j'avais bien aimé. Attends, oui, il a raison. Est-ce qu'on dit. Est-ce qu'on on juge le premier tout? On juge le tout. On juge le alors, tout, si ouais, c'est le tout, je le mets pas bien du tout, moi. Moi, je, ouais, moi, je le mets en fin 9 sur 10. Ouais, pareil. Ah ouais, 9 sur 10, ouais, c'est une bah, 9, 9, c'est... Ouais, peut-être. Ouais. Bah, je trouve vraiment que, pas que j'ai trouvé que c'était simple, c'est divertissant. Moi, j'avais kiffé. J'ai trouvé qu'il y a eu des vachement meilleures choses que ça. Après, je pense qu'il y a eu des meilleures choses que ça, bien sûr. Je mettrais, ouais, 7 ou 8, moi. Allez, 8, 8, mets 8, mets 8. Allez, 8. On met labyrinthe en 8, les amis. C'est validé. C'est okay. Labyrinthe. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que. C'est juste qu'il y a, à... qu'il y a mieux. Oui, c'est ça. Okay. Christian, il est goûté. C'est mid. Ouais. Moi, je sais déjà en 1 ce que je pioche, Christian. Je pioche, là. Pirates des Caraïbes, c'est ça. Ah, pas mal. Yes, pas mal. Il est heureux. Top 3, quoi qu'il arrive. Ah, Christian, ça se voit quand tu regardes les films. Les 3. Ouais, ouais, les 3. J'adore les films. Pas Pirates des Caraïbes. La trilogie, pas ce qu'il y a après. Moi, j'ai tout vu ce qu'il y avait aux Oscars, là. Non, puis même. Ah ouais. Les Oscars, j'avais tout vu. J'ai tout vu tous les films qu'il y avait en nomination. J'adore. Ok, donc toi, t'étais. J'adore, j'adore. Comment on appelle ça? Cinématophile. Ouais, exactement. Cinéphile. Exactement. Cinématophile. Arrête de se cinématophobe. Arrête un peu, est-ce qu'on serait pas sur un petit 2, non? Deux. Non. Bon, allez, mets 3, mets 3. Non, 4. Non, top 3. 4. Non, mais c'est super. Moi, j'ai grandi avec, et du coup, il y a quand même un aspect aussi, t'as grandi avec, c'était ouais, nostalgique. Moi, c'était mon film préféré quand j'étais plus jeune. Mais en vrai, objectivement, il y a mieux. Il y a les tuches, les gars. Bah, 4. Il y a les tuches. Moi, je mets 3. On est d'accord. Non, 4. Regarde, les gens, ils sont d'accord. 3. 3. 4. Ok, 3. 4. Le chat a l'air d'être sur le 3. 4. 3. On va mettre 3. Tiens, choisis le prochain. Non, mais il va y avoir une dinguerie, il va y avoir Parasite qui va sortir. C'est vrai qu'un manière... Oh, Parasite. Mais oui, tu vois. Ouais, alors, sachez que Parasite. Non, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de bons trucs. Parasite. Vous avez raison. C'est quoi Parasite? Parasite, 4. Énorme banger. Je connais pas. J'ai harcelé Elsa pendant un an pour qu'on regarde et elle m'a fait la tronche tellement je l'ai harcelé, mais on n'a jamais regardé. C'est un film de Banjogo qui est un de mes réalisateurs préférés et qui a fait vraiment. C'est génial. Hein, je ne vois pas du tout ce que c'est. C'est un film coréen, c'est une tuerie. Qui a gagné l'Oscar, du coup. Mais c'est pas une trilogie. Non. Mais c'est pas que des trilogies, c'est des films. Non, mais c'est une trilogie. Ah, alors si c'est le film Parasite, là. C'est pas que des trilogies. Où il y a le truc en bas et tout, là. Oui, ça. Ah, si, il est fabuleux, lui. Non, mais tu vois, je connais pas. Oui, c'est vrai que c'est pas. C'est Pirates des Caraïbes, c'est pas non plus. Voilà, tu vois, je on aime. Oui, à ce moment-là, on peut même aller 5, quoi. Ok. Et là, on me l'a montré. C'est qui, Alizé, qui t'appelle? Alizé, 4-4-4. C'est qui t'appelle à cette heure-là, Alizé? C'est trop chiant. Ce serait pas un copain? Oh! Hunger Games. C'est bien Hunger Games. C'est pas mal quand même. Franchement, c'est bien. Non, on a dit 4 Pirates des Caraïbes. Christian, bah, Hunger Games film, 3. C'est son sujet. Hunger Games. Bah, en vrai, ça, justement, ça faisait partie des premières. Et, moi, je mettrais au-dessus de Pirates des Caraïbes. Vas-y, 3. Ouais. Donc 4, c'était Pirates des Caraïbes. Attends, on en est où là? C'est une des bonnes. Pirates des Caraïbes et 4. Moi, je mettrais. Non, Pirates des Caraïbes, c'est 4, les gars. Ok. Non, ouais, 4, ouais, moi je mettrais 3 Hunger Games. Et Hunger Games 3, c'est bien. Hein? Ouais. Quoi? Hunger Games 3. Vous mettez Hunger Games devant Pirates? Bah oui. Oui. Pas non, mais Anthony. Message, ah non, là je suis pas d'accord avec toi. Ouais, c'était trop bien. On est tous d'accord. Ouais. C'est bien. J'ai même pas réussi à le terminer. Le troisième. Ça sortait, parce que ça sortait. À l'unanimité, Hunger Games 3. Ouais, je suis chaud. Ah non, pas l'unanimité. Ça va un peu d'eau. Bon, presque unanimité. Ah ouais, sauf en vrai, il y a qu'Anthony qui aime pas, mais bon, son avis compte pas trop. Ça va, mais quand t'es le seul à avoir du goût. Le seigneur des trucs, là. On t'entend, toi. Le seigneur des trucs, là, il va aller. Tu peux pas dire que c'est pas bien. À toi, Bugs. Eh, c'est surcoté Hunger Games, c'est chaud. Marvel. Ouais, bah là, bah, c'est même plus. Alors, là, c'est compliqué. Voilà, il y a Spider-Man, il y a trop de choses. Il y a trop de choses, mais là, il y a surtout des bons trucs non, mais et des trucs de merde. Là, ils font que des navets. Hein. Là, moi, c'est du 5, parce que pour moi, c'est vraiment de la moyenne. Dans le sens, c'est des super trucs, mais il y a des super trucs. Les derniers, je crois qu'elle a un peu raison. Les derniers, c'est trop. Mais les gars, là, je rejoins Bagheera. Là, moi, je suis avec le chat. Top 1. Ah non, non. Non, il y a trop de choses. Ils ont fait tellement de bons trucs, et là, ils font. Beaucoup il y a vraiment de choses. Ouais, c'est trop là, c'est trop. Mais c'est, les gars, Avengers, c'est industriel maintenant là, c'est ça y est. Non, mais c'est vrai qu'ils envoient. Hulk là, il s'est même plus tapé là dans les trucs. Je sais pas. Il se fait défoncer toutes les deux secondes, c'est une chèvre. Alors que normalement, il est massacré. Hulk.
Ah. Il se fait massacrer tout le temps maintenant, alors qu'à la base il défonce tout le monde, ça me vénère. Mais il y a quand même des meilleurs ringers. Mais aussi, non, est-ce qu'on en a pas? Enfin, moi, il y a un peu le côté. C'est très cool quand ça a commencé. Enfin, justement, mon premier Avengers, c'était fou et tout. Est-ce qu'on en a pas un peu marre des super-héros? Ouais, oui. Enfin, est-ce que c'est pas un peu. Mais. Moi, perso, j'en aurais jamais marre toujours. Mais je trouve qu'il y en a trop. Il y en a trop. Ça va trop vite maintenant. Non, moi, je mettrais 2. Qui? Ah non, moi, je mettrais 5, 6 mois. 5. Mais il y a quelques années, je t'aurais dit 2 aussi, mais plus maintenant. Ouais. Je suis d'accord. Mais si on parle des pirates, c'est quoi? Derrière Pirates. Ben oui, ouais, on est d'accord, ouais, deux. Mais pirates, on l'a mis trop. Les gars, là, on est deux. Pirates, je peux pas mettre Marvel en deux, moi. J'accepte pas. J'ai tiré, j'accepte pas. On m'a jugé, Christian. Oh, il m'a regardé d'un air. Il est sérieux, lui. Il juge beaucoup, Christian. Christian, il m'a regardé en mode. Tu respectes la vie de ma Bags. C'est Bagheera qui décide. Ok, c'est Bagheera qui décide. Débrouillez-vous, mais... 5 ? Donc on est à 5. Ok, hein. Non, mais c'est la majorité. Mais on se perd maintenant. On se perd. Il y a quelqu'un qui l'a mis dans les commentaires. The Boys, la série The Boys. On sait plus. On ça, c'est la tablette de Max. Il y a maman qui envoie un message, Max. Hein. Max, tu es là ? Il y a ta mère. Il faut que tu rentres. Il y a tes pattes qui sont prêtes. Il est 23h. Il est 23h, il faut que tu ailles te coucher. Ok, vas-y, Anto, à toi de piocher. Bien sûr. Bah, monsieur. C'est vrai que c'est dur ce petit jeu. C'est dur, hein. C'est pas facile. Quand tu sais pas ce qu'il y a dedans. Marvel en 5. On a Carrément, on l'a mis un peu. On a chié. Ouais, je crois. Ouais. Oh. Je le mets dernier. Ça. Saut. Ouais, mais en fait, le 1 est super. Le 1 est super après, et après ça, ça a été dur. Dernier après, pour moi. C'est que moi qui tirais. T'appelles ça ça? Toi aussi, t'aimes bien. Chier. Saut. Moi, je mets ça saut. Non, ouais, saut. Saut, tu dis? Saut. Sort. Mais le 1 par contre est vraiment bien, faut quand même pas l'oublier. Le 1 c'est après... un des meilleurs. Et moi, je le 10 pas... apparemment qui est top. Hein. Je peux pas regarder. Je suis d'accord. Le 1 est super. Je peux pas. C'est un morceau, les gars. J'aurais mis 7. Regarde, les gens ils ont raison. 10. Mais le 10e est pas mal. Merci la commu pour vos commentaires. Moi je suis d'accord. Le 10e, il y en a 10. Oui, il apparemment qui est. Ah, moi j'ai arrêté à Saut 6. J'ai pas regardé. Allez, la blague de la Saut 6. Non, c'est pas ça. Et Saut 7, on la connaît la blague. Et Saut 7, allez, la deuxième. Mais non, en vrai. Enfin, le 1 et Masterclass, si on parle de trilogie ou de série, oui, non, ça, tu peux pas le mettre en haut. Quoi. Alors, on met 10, hein. 9. On sait jamais. On va nous mettre une merde. On va se retrouver avec un Harry Potter qu'on va devoir mettre en 10, je vais avoir le pire mort. moi, c'est number 1 Harry Potter. Ah ouais? Ouais. Moi, si Harry Potter qui sort, ce qui sort, c'est 1. Je suis d'accord. Ok. Non, mais saut, moi, je mets 9. 9, c'est bon. On est d'accord. 9. Est-ce qu'il y a... C'est ok pour vous? Merci, la régie. Les saucettes d'Anto. Ouh. Hey! Qui on a la ref, hein. Merde, j'ai pas pu voir qui c'était. Ouais, c'est beaucoup de monde. Ouais, il y a beaucoup, là. Ok, Alizé. Harry Potter. Retour vers le futur. Ça, c'est bien. C'est pas mal, ça. Hein. Ouais, c'est un retour vers le futur, c'est un classique. Je sais pas si j'ai dit. C'est votre génération, ça, en plus. Ma génération. Mais non, c'est une blague. Ah. Alors, elle était super bien. Ah, oui, ok. Ça veut me péquiner. Je vais pas trater. Une blague de ouf, Anto. La blague de ouf, Anto, je veux des GG dans le chat. En vrai, c'était vraiment bien, il y avait des bonnes idées et c'est quand même devenu vraiment mythique. Bah ouais. Je vois pas comment on le met bas dans le classement, tu vois. Ah, je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Là, on... Mais là, c'est soit 1 ou 2. Non, c'est impossible. Non, 6 alors. Bah 6. Non, pas 6. Non, 6, 6. Moi, je le mets pas devant Pirates des Caraïbes. Bah ouais, mais frère, déjà Hunger Games, ça me fait. Ça me les fout là. Et je crois que notre classement est ça me les fout là. Notre classement est à ni queue ni tête. J'ai les glandes là. En vrai, moi, ça, il me fait péter un câble ce classement actuel. Ah ouais. Attends, mais il a vraiment écrit ça. Ça veut dire quoi quand ils mettent GG? Il a écrit saut. Non, mais la régie est bourrée. Mais qui a écrit saut comme ça? C'est toi, Max? Saut. Tu vas rentrer direct chez ta mère, ça fait une heure qu'elle nous écrit là. Max. T'es fatigué, Max? S-A-W, s'il te plaît. Ah, 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 ça vient d'être. Ok, désolé les gars, on est en retard dans nos vannes. Ça faisait 10 minutes, on est en retard. GG, ça veut dire. GG, GG, ou tu sais pas? Vous savez pas? Personne sait. GG, non, vous savez pas? Ah, c'est drôle. Good game. Good game. Ah. C'est bien joué. Mais en fait, sur Twitch, on le dit beaucoup en mode. C'est en mode, ouais, bien ouais, je crois. Ok, GG. Du coup, ça. GG, la commu. Retour vers le futur. Pour le daron. Il a dit, elle a commu GG. Elle est commu GG. GG, la commu. GG, well played. GG, well played. Ah, t'as rachat 44, tu t'adores, Max. Hein. Non, mais les gars, retour vers le futur, c'est 6 minimum.
Enfin, Max. Non, mais c'était. GG, la con. C'est dur de mettre Retour vers le futur après. Là, c'est dur, là, parce que là, c'est soit dernier ou premier. Ouais, c'est ça. Bon, Retour vers le futur part en 6. Disons qu'on vivons avec notre temps. Christian, à toi. Alors. Putain, là, on sait vraiment pas ce qu'on va piocher. Star Wars. Was. Star Wars. Moi, ouais, j'aime pas trop, hein. J'aime pas. Moi, j'aimais les premiers, j'aime plus ceux de maintenant, la nouvelle trilogie, j'aime pas. Moi, j'ai jamais regardé, en vrai. Moi, je suis trop une grosse... Je suis pas dans l'univers. Moi, je suis une grosse... Je suis trop une grosse fan de... T'aimes bien les dernières trilogies ? Ah ouais ? Les derniers... Les derniers, il y a deux, trois trucs que j'aime bien. Je trouve clairement qu'elles vont pas. J'aime beaucoup Rogue One. Ouais. Rogue One, je trouve que ça va, ouais, c'est le meilleur, c'est le mieux pour moi de ce qu'il y a eu. Ouais. Mais moi, en fait, juste. Tapez en le chat si vous comprenez pas ce qu'on dit. J'aime trop. Enfin, moi, bon. Moi, si je m'écoute, je vais dans le chat. Le truc que je vais regarder tout le temps, c'est laquelle ta trilogie préférée ? En vrai, j'aime beaucoup la vieille, la première trilogie. La vieille, la première. J'aime beaucoup la prélogie aussi. On comprend. La prélogie est très connue. Et Rogue One. Et Rogue One, c'est bien. Rogue One, c'est bien. Mais du coup, moi, mettre en 1 et 2, je vais pas être d'accord. Mais du coup, je vais me taire parce que sinon, je vais trop souffrir. Allez-y. Ok. Ok, la commu, alors voilà. Alors, je suis lourd. Je crois qu'ils comprennent pas. On comprend rien. Ils ont tous mis. Pourquoi ils comprennent rien? Le 2, ça va être dur, les gars. Max, t'as encore coupé le son, putain. Non, en vrai, moi j'avoue, Star Wars, je m'en. En fait, j'ai pas vu, donc je peux pas noter. Donc je fais confiance. Bah, moi j'aime pas mon univers, 10. Non, ouais. non, on peut pas mettre ça avant, s'il vous plaît, non, pas en 10. Alors, il reste quoi, là, en classement, là, reste 7. C'est-à-dire que tu mets Star Wars au-dessus de Labyrinthe ? Non. Bien sûr. Ah ouais. 7, allez, 7. Bien sûr. On n'a pas le choix. Là, on va souffrir. Non, après, vous pouvez pas me le mettre en 10. Star Wars en 7. Non, mais là, le classement, il a ni queue ni tête. Hein. Vous pouvez pas. À toi, Alizé. Pour moi, c'était un 2. Ouais, ouais, un 2, j'allais dire aussi. Là. Ah, j'ai oui, mal, j'ai mal. Mais moi, Seigneur des Anneaux. Ah là là, moi, c'est 10. Ah, on est d'accord. Non, non. Je crois que j'ai jamais 10 regardé. Direct. J'ai jamais regardé. Ah non, non, moi, j'en ai vu qu'un où il est comme ça. Déjà, Hunger Games, moi, je le mets dans le top 3 à la fin. Moi, je me suis endormi chaque fois. Chaque fois. On les voit ramer, ils rament. Moi, je m'endors. Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai qu'ils rament une tonne. Tu peux pas juste couper. C'est ça le film, j'ai ramé. C'est vrai que ça rame une tonne. C'est... Ils rament et ils se battent à la fin. Je suis pas prête pour jouer avec vous à ce classement. Je sais, on a failli se battre. C'est la seule engueulade qu'on a eue. C'est quand j'ai dit que je détestais. Le Seigneur des Anneaux. Quand dit, tu non. Là, elle a commencé quitter, par dire j'ai détesté Dune. Ouais. Okay. Dune. C'est genre votre engueulade, c'est le Seigneur des Anneaux. Moi, je suis pas très fantasy. Je suis pas très fantasy, mais je veux dire, objectivement, le Seigneur des Anneaux, c'est une des plus belles œuvres qui a été faite au niveau de la fantasy. Enfin, c'est une oui, mais c'est beau. Mais non, mais même, non, même dans l'enlist, enfin dans tout, bref, oui. Mais du coup... Non, elle a un peu raison quand même. Là, le chat, là, c'est compliqué. C'est vrai que ce qu'ils ont fait, c'est ouf. Christian, tu crains. Mais pour moi, c'est du 1. Moi, c'est par exemple, 1, Dune... Non, 1 non, par contre. Dune, vois, moi, je suis timalisé. 2, ok. 2, je suis d'accord. Du coup, tu mets quoi en 1, tu vois ? Dune. Dites-nous si vous prenez le groupe. Et ça rame, ça rame. Si tu veux qu'on s'entende sur la suite. Faut que tu arrêtes. T'aimes bien Dune ? J'aime moi Dune, j'ai corrigé ça. Attention, je pense que c'est la fin du duo. Christian Baguera, ça se termine ici. C'est une super aventure. Ouais. Voilà, bon, du coup, ils viennent d'être éliminés de Dalcy. Ça vient de déclarer forfait. Ça nous a plu. Alizé, c'est en train de taper sur le système, alors il faut qu'on se dépêche. Bon, mettez un 2. Bah oui ! Bah, je vais continuer mon duo. Seigneur des Anneaux en 2, mais c'est affreux. Mais quoi ? Mais. Pourquoi les gens ils disent qu'ils comprennent pas ? Quoi ? On comprend pas la conversation ? Ils disent on comprend rien. Pourquoi ils comprennent rien ? Bonne question, Otto. Je sais pas. Bon, parce qu'à chaque fois qu'on parlait Seigneur des Anneaux en deux. Star Trek, lui il disait tapez deux si vous comprenez rien. Ah ouais ? Je pense qu'on parle juste en même temps, les amis. En vrai. Ok. Non, mais il disait Seigneur des Anneaux en deux. Dites si vous comprenez pas. T'arrêtes tes messes basses. Et bah. Oh, le daron là. Je me fais engueuler. Wow, les amis, il nous reste le 10 et le 1. Et ça, c'est ça, là, c'est vrai chaud. Bah là, on est foutus, là. Mais moi, Vas-y, et surtout que pioche. Tout ce qu'il y a au milieu, c'est déjà de la merde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le classement n'a aucun sens. Ouais, il est pourri, le classement. Ok. Attention. Harry Potter. 1. Ouais, je pense que qu'ils sont tous géniaux. Tu peux pas mettre 10, quoi. T'aimes pas Christian Harry Potter ? Oui. Moi, j'aime beaucoup Harry Potter, mais devant Harry Potter, devant... Devant le Seigneur des Anneaux, Star Wars. Bah oui, moi, vous m'avez mis Hunger Games, troisième. Mais non, Hunger Games, c'est pas des Hunger Games, c'est un peu du. Mais je crois que c'est le mieux placé, Hunger Games. C'est un peu de la chèvrerie, Hunger Games. Mais non, c'est toi le chèvre.
Le chèvre. Attention, Alizé se révèle. Hein. Ok, ça va partir en fight. Alizé se révèle. De toute façon, on n'est pas en 10. Oui, de toute façon, on n'est pas en 10. Harry Potter en 1. Par contre, j'ai bien de l'autre comme en 10. Attention, les amis, en 10. Your Games. En 10, ce sera... Je vais souffrir. Conjuring. Ouais, bah ouais, c'est bien. C'est pas mal, Conjuring. Hein. Ça vaut pas un 10. Ah, ça vaut pas un 10 quand même. Oui, bon. Ça mérite devant Saw, devant Star Wars, ouais, c'est devant l'ambiance. Non. Non. Ah, non. Ça mérite un 10. C'est bien, Conjuring. C'est dans les 2-3 derniers. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est bien, Conjuring, mais. En fait, j'aime bien les trucs d'horreur, mais c'est pas les meilleurs films. Bah non. Ça dépend lesquels. Il y a des très bons, mais. Les derniers. Mais quand même, vous avez fait un. Foutu un peu la merde avec Hunger Games, ça me fout le mort. Mais arrête de dire Hunger Games. Oh, le rageux d'Hunger Games. Oh, c'est terrible ça. Ça y est, Katniss et Harry Potter. C'est lui qui a mis Pirates du Caraïbes 4. Star Wars en 7. Non, mais c'est vrai que là, notre classement, il pue. Hein. Ouais. C'est pas top. Harry Potter, Seigneur des... Ça me ressemble tellement pas. Moi non plus. Ça ressemble à personne. ce classement, il ressemble à personne. On s'est foiré là, non? On a fait un peu de la merde. Non, on a fait un peu de la merde, ouais. Ah, c'est à cause d'Anto, il a tout niqué. Hein. Et ça va vite là, j'arrive plus à lire. Il a tout niqué, Anthony. Ah, depuis tout à l'heure, tu regardes encore. Le... J'essaie de voir ce qu'ils pensent, les gens, mais ils sont assez d'accord avec moi. Oui, mais en même temps, c'est... le mec a un melon. Il a lu que ce qu'il a rangé. Il a lu que ce qu'il a rangé. Bon, en tout cas, c'est super, merci beaucoup. Mais écoutez, on a fait du mieux. Hein. Ouais, franchement. Ouais. Vous avez des questions? Non, en vrai, le chat, pour de vrai, est-ce que vous avez des questions? Je sais pas, des trucs à poser. Le mec, en majuscule, la honte, le classement. Lui, il a le pire mort. Il se passe une soirée de merde. Mais les tier list, ça divise toujours beaucoup de monde. Ouais, les tier list. Cool. Ah ouais? Et à ouais. Une époque, j'avais fait une tier list rap. Bon, après... Ouh, ça devient bien divisé. Quand je re-regarde ma tier list rap, je me dis, c'est aberrant quand même. T'avais mis quoi, genre? Je crois que, genre, en légende, j'avais mis, genre, Gambi. Ah, les gens ont dû te fumer. Ça a terminé sur Twitter. C'est sûr. On me dit, il est sérieux, il a mis Gambi devant Booba. J'aime bien Gambi, ah ouais, moi. Bah, devant Booba. Moi, j'aime bien aussi. Hein. Conjuring, la prod nous envoie des messages, ça vaut sa place. Qu'est-ce qu'il sait qu'il a mis ça? Interstellar. Guerra parle de la tourette. Oui, il n'y avait pas des films... Merci, XUMS. De ouf. Ouais, c'est vrai. C'était pas... Ouais, il y a des films mieux. Mélina, je donne plus de cours. Titanic, banger. Non. Ça te demande des cours de danse, Anto? Ouais. Anto, t'es marseillais? C'est qui le nouveau danseur? Non, mais avignonnais. C'est qui le nouveau danseur qui va danser? Il y a le nouveau Kershak. Il est en retard, hein. Le poteau, il est en retard. C'est quand que ça commence, Dalcy? Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Non. Est-ce que tu fais Dalcy? Bah, je sais pas. Alors, du coup, tu ne l'as pas regardé. Ah oui, j'avoue, compliqué. Compliqué. Je vais apprendre à danser, Anto. Oui, c'est ça, je suis oubliable, moi. Non. Et ça va vite, c'est dur de lire, putain. C'est vrai, ça va vite. Hein. Comment faites pour danser toute la journée? Comme ça. On a mal. Non, eux, ça va, et nous, on souffre. Oui, c'est un peu genre bon, ah, c'est une journée tranquille. Et... Vrai, tu fais des pauses, des pauses café. Bah, en vrai, ici, il y a surtout toi qui souffres, hein, Baguera. Parce que là, moi, j'avoue que. C'est vrai, quoi, je dis nous, mais tu sais, plutôt bien. J'essaye d'avoir un soutien, mais ouais. Je suis la seule qui est mal à tout dire. J'ai vu un Margane en mode. Et nous, on souffre. Et moi, je suis là, bon. Moi, je vais en entraînement juste espionner, voir comment ça se passe. Hein. C'est vrai, c'était plus la semaine passée, toi. Ouais, ah, je me suis bien entraîné. Ouais, même pas la semaine passée, je me suis entraîné quoi, 4h30. Ah ouais. Pas beaucoup. T'apprends vite, du coup, ouais. Ouais. Franchement, je suis surpris de moi-même. Je suis surpris. C'est sympa, hein? Alizé, y a-t-il possibilité de te date? C'est vrai que tu dis ça à chaque fois qu'on dit on t'aime, Anto. Ouais. Anto, des fois, il y a un message. On t'aime, Anto, c'est bien le chat. Hein. Ah ouais. Non, mais tu sais, parce qu'il y avait un a priori, moi, sur les trucs comme ça, sur tout ce qui est stream et tout, je pensais que dans ma tête, tous les gens étaient méchants. Non. Oui, moi aussi, je pensais qu'il y avait des gens méchants. Je pensais ça. Non, les majorités. Parce qu'en fait, tous les buzz qu'il y a, c'est que des. Harcèlement, machin. Ouais, Twitter, c'est pas Twitch. Ouais, mais du coup, moi, je confondais un petit peu. Parce que ça commence pareil. Non, c'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Mais je me disais, du coup, les gens, ils viennent pour te fumer. Mmh. Mais en fait, pas du tout. Ils sont non, Twitch, c'est, en fait, Twitch, les gens ont l'habitude déjà de l'échange. Après, il y a pas des trucs d'harcèlement pour les filles. C'est pas, y a pas sur truc... Twitch. Bah, ouais, quand même. Hein. Oui, il y a des cas, tu vois. Mais je veux dire, de manière générale, si tu fais un peu ta communauté, etc. Mais en fait, je vois ce qu'il veut dire Anto, parce qu'en vrai, Twitch, c'est des milliers d'heures streamées. Ouais. Et sauf que les trucs que tu vas voir, c'est des moments clippés où une personne s'énerve en mode « Oh, le chat, là, vous cassez les couilles, ça !» Et des fois, tu tiltes, c'est sûr, mais en vrai... Mais ça arrive, ouais. Genre, des fois, tu streames... Moi, le premier, je stream
Genre, au total, j'ai streamé 20 heures dans la semaine. Et bah, il y a un moment, 10 minutes, où le chat va me spammer un truc précisément. Et t'as trop fou, ah ouais. Où je suis en mode, ah, ça y est, arrêtez. Putain, c'est ouf. Parce que moi, je me disais au début. Mais en vrai, faut être assez patient. Bah oui. Kalza, au tout début, quand vous étiez ensemble. Regarde comment ils sont beaux là. Ah ouais, ils sont gentils de ouf. Regardez, je fais comme Nicotine. Allez, ami. Pour ceux qui ont la ref. Mal, on a la ref ici. Mais ouais, parce que je disais à Elsa, je sais pas comment il fait. Parlant de toi, évidemment. Je me disais comment il fait, il doit se recevoir des sales trucs tout le temps en stream. Et je te voyais tout le temps heureux. Et en fait, je comprends. Et en fait, les gens sont gentils. En fait, les gens, ils sont graves. Gens, en fait, en même temps, c'est logique, en vrai. Ils viennent te regarder parce qu'ils sont contents de venir te voir. Ouais, mais tu sais, sur Twitter, ils sont tellement méchants que je me disais que c'était un peu dans le même délire. Non, bah en vrai. Je pense que le pire truc pour live, c'est TikTok. Ouais. TikTok. Bah, une fois, moi, j'ai fait un live TikTok. J'ai fait un live TikTok ici. Quand je te le raconte, tu vas voir, c'est horrible. C'était genre, j'étais en plein déménagement dans mon local et j'étais tellement content d'enfin avoir mon local, mon endroit à moi, que je lance un live TikTok quand c'est pas fini. Et je suis en mode, les gars. Je suis dans mon local, bon, c'est encore en travaux, je vous montre vite fait l'avancée, mais je peux pas trop vous en montrer. Mais vas-y, ça me fait trop plaisir de live ici. Et tout le chat se met ta gueule. Oh non. Parce qu'en fait, TikTok, c'est un peu horrible. C'est que tu vois 4 messages, il suffit qu'il y en ait 2 qui mettent TG, et tous les autres se disent oh, on va tous se spammer. Et du coup, j'étais là en mode les gars, je suis trop content, et ça spammait TG, j'étais bon. La commu, c'est un peu le reflet du streamer. Il a dit le mec. C'est vrai. C'est pas bête, hein. Je trouve que c'est vrai. Et même en fait, Twitch, il y a vraiment tout un truc où le chat, c'est là depuis des années. Enfin, en fait, il y a un peu des règles tacites. Les gens entre eux vont discuter, mais faire attention de ne pas parler trop d'autres sujets. En fait, il y a plein de petites règles. Si ça fait un petit moment que tu es sur Twitch, que tu connais, et qui fait qu'en fait, c'est vraiment un lieu qui est souvent, ça peut arriver que ce soit des trucs dégueulasses, mais souvent assez sain. Ouais. Ouais, et les gens s'auto-disciplinent. Toi, t'as pas eu de soucis, toi, particulier quoi. Moi, j'ai été chanceuse. Après, t'as des modérateurs, t'as des trucs qui... Ouais, bien sûr, tu vois, qui testent s'il y a quoi que ce soit. T'as des outils pour te protéger si t'as... Parce qu'en fait, tu vois, moi, ma commu, je sais que j'aurais jamais aucun problème. Mais tout d'un coup, t'as un sale raid qui arrive d'une communauté ou... Enfin, juste d'un vieux forum, de gens qui se disent « Ah, on va aller emmerder quelqu'un, ça peut arriver. » Mais t'as des outils pour le bloquer. Moi, j'avais eu ça quand j'étais jeune sur YouTube. Ouais. J'avais sorti une vidéo YouTube. Non, mais j'avais 15 ans. J'avoue, je parlais comme un vieux quand j'étais jeune. Non, mais j'avais genre 15 ans. Et dis-toi, je suis petit, j'ai 15 ans, je fais mes petites vidéos dans mon coin, j'emmerde personne. Et c'était une vidéo, genre un podcast. T'étais déjà reconnu un peu ? Non, justement, j'avais peut-être 5000 abonnés, tu vois. Et j'ai fait un podcast sur l'école ou un truc un peu bateau, tu vois. Parce que je faisais des podcasts, je m'entraînais en fait, je m'amusais. Et en fait, genre 15 minutes après que ma vidéo sorte, je reçois que des... Genre, j'avais jamais fait autant de vues, mais c'était que des commentaires méchants en mode... Mais vraiment des insultes hardcore, des trucs sur le fait, parce que j'étais un peu en surpoids et tout, des trucs sur le fait que je sois un peu boudiné, machin, mes dents, ma voix et tout, que des insultes hardcore. Et en fait, c'était un forum 18-25. Ouais. Un mec, il avait mis ma vidéo dans un forum 18-25 et il avait dit « Allez l'insulter ». C'est quoi, et je recevais genre vraiment j'ai reçu 3000 commentaires que des insultes alors que j'avais 15 ans. Et ça, en plus déjà t'as 15 ans, mais en plus t'as beau savoir, tu te dis bon bah c'est internet et tout, ça touche, tu vois. C'est évident. Ça, je comprends pas pourquoi les gens sont aussi méchants. Ça, la source, c'est pas de tout. Ouais, les gens, ils doivent être tellement mal dans leur peau pour être capables d'être si méchants vers des gens qu'ils connaissent pas. Oui, c'est sûr. C'est pas possible d'être bien. Des gens heureux, en fait, ça fait pas ça. Ouais, c'est vrai. Curie de faire Twitch. Et voilà, là on a que des cœurs. Ça, c'est un beau chat. Ça, c'est un chat qui régale. Et des fois, t'as des moments où ça parle pas dans le chat. Là, t'arrêtes de parler. Non, c'est rare. Non, je pense qu'il se barre. Tu veux qu'on essaye, là on arrête de parler. Là, on arrête de parler, d'un coup ça passe de 18. Déjà, ça a baissé. Vu un Alizé, je suis l'homme de ta vie. Ah ouais? Oh! Attention, Alizé, c'est avant. C'est un cœur à prendre, Alizé. Hein. Envoie-lui un DM maintenant. Non. Alizé, elle a pas parlé du live et là, je suis l'homme de ta vie. Ok. J'attendais ça tout le live. Allez. Tiens donc. Bah, par contre, les gars, s'il y a que des cœurs dans le chat, on peut plus lire grand-chose. Je sais plus ce qui se lit. Tu vois rien. Allez, posez des petites questions là. Allez, on va vous répondre franchement. Honnête. Je dis tout ce que je pense. Anto, ton salaire d'Alce. Ok. Je le dirai demain dans notre live. un live privé. Alors. C'est dur là. Que faites-vous? Bah, bonne question. Alizé Bouzy, oui.
Comment ça, oui? Je sais pas. Il y a marqué Alizé Bouzy, point d'interrogation. Oui. Oui, oui. Bien sûr. Oui. Alizé, merci, je Chris. T'aime. Ah, c'est pas où elle fait un. Merci pour les 5 subs, Chris. Merci beaucoup. Merci, Chris. Merci, Chris. Chris, c'est un bon. Ah, je t'ai calé. C'est un des becs qui offre. Là, c'est notre fave ce soir, Chris, là. Anto, tu veux des enfants? Pas de fou pour moi. C'est vrai? Ah ouais. C'est dur, hein. Mais t'as quel âge, là, Anto? J'ai vu Christian, j'ai pas été capable. 29. 29, on a le même âge. 29. Ah, toi aussi, t'as 29, c'est vrai, oui, putain. T'as 29? Mm-hmm. Putain, on le dirait pas. Ouais. Alors, Anto, oui. Tout le monde m'a dit ça cette semaine, du coup, je le prends vraiment très bien. Tout le monde a dit, ah bon, ça fait trop plaisir. Il l'a dit en douce, hein, t'as vu? Anto, ça se voit. Non, moi, je pensais que t'étais plus jeune aussi, Anto. Écoute, tu sais comment Anto me donnait 23? Non, ouais. Bon, c'est menteuse, ouais. Ouais. Non, ouais. Moi, mais j'avais la barbe un peu plus rasée. Allez vous faire voir. C'est une menteuse. Non, je connais pas le French Monster. C'est quoi le French Monster? Cette phrase, elle me termine. Tu connais pas le French Monster? Non. Ah, dommage. Ah, il connaît pas le French Monster. Non, tu connais pas? Les trucs à boire? Les Monsters. Monster Munch. Oh là là, tu connais pas toi non plus, Anto? De quoi? Le French Monster. C'est pas genre, tu connais pas. Les gars, envoyez que des rêves d'internet, s'il vous mais plaît. Mais quoi? Mais c'est Gotaga. Gotaga. Gotaga, je vois qui c'est. C'est un gars de Live. Toujours pas. Gotaga, c'est un streamer. Je vois qui c'est, mais c'est quoi? C'est un streamer, Gotaga. C'est le nom de Gotaga? Gotaga, c'est le French Monster. Oh, 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 Gotaga! Gotaga, exceptionnel, Gotaga. Il est connu dans Twitch. Il a parlé, il a 50 ans. Je suis connu dans l'internet, ouais. Là. J'ai fait exprès, évidemment. Oui, oui, oui. On y croit. Tu rigoles ou quoi? Ça fait Amixem. Oui, c'est un youtubeur. Tu l'avais? Moi, je connais rien du tout. Là, je suis vraiment dans un monde parallèle. Des noms qui ne sont pas des vrais noms. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est drôle parce que Jean-Marc disait un peu ça aussi. Jean-Marc Généreux, j'avais parlé avec lui. Là-haut. Les gars, vraiment, doucement. Jean-Marc Généreux, il me disait en mode... Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai l'impression, les gens d'Internet, en vrai, ils sont partout. François Pignon, mais on les voit pas. Mais lui, il les voit pas, tu sais. Genre, il est dans la télé, dans machin, avec ses connaissances. C'est et en fait, tous les noms d'Internet, tu connais rien. Mais en fait, on oublie en vrai... Et quand il rentre dedans, il se dit, il y a tout un univers. Mais en fait, on oublie qu'en vrai, on reste niché. Non. Il y a encore beaucoup de noms qui ne connaissent pas du tout ce monde. Si, Flamby, c'est un gars, je l'ai connu parce qu'en fait... Sur le live de Dalcy. T'as connu Flamby? Attends, je t'explique. Moi, je connaissais pas. Et en fait, je vois ma prestation avec Natou sur Dalcy. Et il y a un mec, il est comme as. J'ai des petits yeux, ça va pas faire pareil. Ah oui, oui. Donc moi, je vais la chercher, t'as vu dans le public Natou. Et il y a un mec, posé à côté d'elle, il est comme as. Et il bouge pas. Il a ses yeux, ils sont comme ça. Et en fait, ça fait genre le buzz, entre guillemets. Les gens, ils ont tous surpris. Ils ont dit, ah, regardez, il y a Flamby. Je dis, c'est qui Flamby? Et en fait, ben, je sais pas, il est comme ça en vidéo. Et du coup, j'ai vu, c'est un youtubeur, Flamby. Ouais, c'est ça. Ça, voilà. C'est un streamer, ouais. On embrasse Flamby. MDR. Il me massacre. Je vais lui envoyer un message. C'est vrai que c'est un je lui ai demandé, si je fais en finale avec la touche, je lui demande de venir faire la même chose sur le truc. Le petit happening de Flamby, ça régale. Alors, vas-y. Tempête grasse. La tempête Grace. Faut avoir la ref, c'est dur. Okay. Tempête Grace. Je suis dépendant. Oh, j'ai envie de vous sortir toutes les refs. Concombre, c'est quoi? Flamby le gosse. Concombre, c'est un truc. Tu verras ce que c'est. Un concombre, c'est un légume, non? Les gars, est-ce que vous avez la ref de M2LT? Non. Non. T'as pas non plus, si, toi? Si, ça me dit quelque chose. Ah putain. C'est Inox et Balouz. Si. Ah si, voilà. Si, ok. Si je te dis dans le club. Ah bah oui. Anto, dans le club. In the club, falling in the club, nanana, nanana, ouais, pas, t'as grave ça, tu l'as, c'est la ref, c'est la ref. Je sais pas. T'as pas dans le club, Anto? Non. Anto, là non, ça c'est non, tu sors. Et tu lèves un bras, La régie, ils sont en train de péter les plombs. Max, t'es toujours pas rentré chez toi? Max, y'a ta daronne. Y'a ta daronne, elle en peut plus. Elle arrive. Elle s'inquiète. Elle vient de chercher. Non, je vois pas ce que c'est le goût de mon message. Tu vois, dans le chat, c'est comme il y a des moments bizarres, il y a des moments lunaires où je discutais avec Christian et je suis là. Oui, par exemple, la Zizi Kaka mixtape, j'ai donc sorti ce morceau. Il y a vraiment des discussions. En fait, là, tout ce que je comprends pas de mots. En fait, il n'y a pas de phrase. Ouais, mais là, il ils mettent que des rêves, tu vois. Ah ouais, j'ai compris. C'est Zévent. J'essaie de suivre un truc.
Pas du tout. Non, t'as mis de l'autotune. Ouais, j'ai mis de l'autotune. Regardez les gars, max d'autotune. Cachez-moi cette cata. C'est la vie, l'autotune. Mais toi aussi, t'es complètement troué là. Mais il n'y a que des trous dans les chaussettes de tout le monde. Hein. Vous voulez voir? Mais toi, je sais pas si vous voulez voir. Ça coûte trop cher. Regarde ton. Attends, c'est contre de la chaussette. Ah, est-ce qu'on te voit? Bah, je pense, non. Ça se prend pas gratuitement des pieds, Christian. Je t'apprends. Mais on est à ce point en retard là? C'est vrai. C'est créer des fétiches. T'es une heure, je suis en bas là. On va te faire ton petit fit. Je suis là. Alors fais voir un peu les refs. Anthony, quoi? Anthony, bah ça a trop. Non, mais là, ils vont pas s'arrêter. Si Baki, Doumpié, évidemment qu'on a un ref. L'épine. Et oh, il sort toutes les rêves qu'il a, Anthony, il est trop content. Moi, je comprends plus rien, je sais plus ce qui se passe. Là, là c'est le problème, c'est qu'on parle Christian, en rêve. Christian, il lit le chat, il dit « Oh !» C'est quoi, Ravous? C'est quoi, Ravous? Et tu vas te foutre de ma gueule à chaque fois que je sors un truc, à chaque fois, il rigole. Ravous. En vrai, c'est un peu lunaire. Mais parce que tu le dis vraiment très mal, en plus. Ah, comment tu dis? Bah, Ravous. Ah ouais. Ah, mais parce qu'il y a plein de U, en fait. Eh oui. Ravous. Ravous. Et c'est quoi? C'est un streamer. Ok. C'est qui alors, du coup, streamer? Tête de Neuil. Ouais, non, mais les gars, c'est qui, arrêtez. Tête de Neuil? Venez, on change de sujet. C'est qui, venez, on change de sujet, ils vont pas y arriver. Non. Faut pas en parler. Bon, les amis, là, ouais, en fait, le problème des refs, c'est que du coup. Venez, on arrête les refs. Nous, on peut partir sur les refs longtemps, mais. Nous, ouais, c'est ça. Il y en a qui s'amusent un petit peu moins, là, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Demain, ça s'entraîne, là? Yes. 9h30, venez me chercher, j'ai le pire mort. Non, mais on essaye un costume après-midi. Putain, ouais, on fait d'abord. Ah, vous essayez les costumes, c'est vrai. Ouais, ils essayent un costume. Trop hâte. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, les costumes, c'est la panique à chaque fois. Pourquoi? Je sais pas, c'est stressant. On est convaincu à porter le costume. Est-ce que vous êtes d'accord que le costume lui allait super bien? Elle était trop belle. Ouais. Il a la semaine dernière, il a dû faire un pep talk pour que je la porte. J'ai dû la convaincre. Tu voulais pas de base? Pas. Il y a rien qui m'a. J'étais genre. T'étais rien. Magnifique, ça. Mais finalement, je trouvais assez cool à la fin. Ouais. Tu dors quand, toi? Tu dors jamais, toi? Oui, puis en fait, ce que ça donne à la télévision, ça donne en vrai. Ouais. Non, ça rendait bien. C'est qui ton coup de cœur de Dalcy? Par Natou Bagheera. Oh. Oh, c'est mignon. Ça me fait très plaisir. C'est beau. Et Bouzy, parce que. Mais lui, c'est encore autre chose. Lui, c'est encore autre chose. Vous dites, je crois, il a fait l'unanimité. Ah, lui, mais ouais, Bouzine, lui, c'est quelque chose. Mais j'ai du mal à voir comment on pourrait ne pas l'aimer. Mais c'est pas possible. Genre, il est trop. Tu peux pas. Il est gentil. Il est gentil, c'est un gentil. Il y a quelques personnes qui ne l'aiment pas parce qu'il est un peu trop border. Mais il est pas border. Mais pas dans la vie de tous les jours, en vrai. Oui, c'est vrai, dans la vie de tous les jours. Parce qu'à l'entraînement, il m'a pas fait un truc border, tu vois. Je pensais qu'il allait être ingérable. En fait, il sait qu'avec toi, il se permet moins. Ouais, peut-être. Moi, je suis sûr qu'il est ce mec. Trop, il est trop sympa. Non, mais c'est vrai que dans certaines vidéos où il est trop entre potes. Il est un peu limite dans les blagues, mais en fait, c'est des blagues, donc ça passe. Il m'a dit, Anthony, t'as les yeux fermés ou ouverts? Christian, ta plus belle découverte sur Dalcy. Parce que t'es malade, Anto. C'est parce que je suis malade. C'est Bagheera, hein. Merci à lui. T'inquiète. Vous êtes un beau duo. On s'est bien trouvé. Franchement, mais alors, je vais le dire, je suis plutôt fier des duos que j'ai fait. Genre, je me dis, en fait, j'aurais pas pu faire mieux. Surtout qu'on s'attendait pas à ça. C'est marrant, les commentaires. Bah, je sais que les mecs, tous les danseurs, vous pensiez vraiment être avec moi. On s'est vraiment trompés. Ah oui, vous pensiez quoi? On s'est tous trompés. On s'est vraiment trompés. J'avoue qu'on. Je sais pas pourquoi. Moi, je pensais que je serais peut-être. Tu veux que je te dise? Ouais. Ok. Oula, Pépé. On pensait, tu me dis si je me trompe. C'est ça. Toi, Natou. Ouais. Gaël, moi. Ouais. Et Jordan avec. Jordan Bagheera. Ouais. Ça y est, c'est bien. Ah non, moi, je pensais toi, Bagheera. Ah oui, on hésitait. On hésitait avec Jordan, mais on était sûr que. Mais en vrai, Jordan Bagheera, ça collerait moins. Je sais pas. Non. Mais en fait, maintenant, on n'arrive plus à se dire que c'est différent. Ah non, ça colle pas. Ouais, en fait, là, comme vous avez tout fait ensemble. Parce qu'on connaît pas les personnalités. Nous, on voyait avec la taille, l'âge. Tu vois, c'est plus ça qu'on. Mais même Natou, elle pensait être avec toi. Elle était sûre d'être avec toi. Et après, chez les meufs, on pensait. Bon, toi, on savait. Toi, on était sûr que tu étais avec Bouzy. Et après, moi j'avais dit le contraire, j'avais dit Inès avec Nico. Et Domingo avec Elsa. En plus, je pensais un peu ça aussi. Vous aviez tout faux. Ouais, tout faux. Ouais. Tu te disais bien. Moi je serais avec Christian. Mais au final, je trouve que les duos sont les meilleurs. Ah, tu moi j'ai vu les danseurs, je dis, ah, je serais avec Christian. Pourquoi? Je sais pas. Elle a fait de la visualisation. Alors qu'en plus, je suis très cartésienne, je suis pas en train de dire, mais j'étais genre, ah, je serais avec Christian. Okay. Et du coup, d'ailleurs, c'est pour ça que quand je rentre, je fais, ah bah ouais. Ça veut dire qu'ils vont gagner l'émission. En vrai, c'est vrai que. Ça veut dire qu'ils vont gagner l'émission.
Ah ouais. Ouais, il y a trop de connexions. Ouais. Il savait déjà. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je pense que Baguera Christian. Mais toi, tu savais, toi, c'est tracé. Baguera Christian, vous êtes un duo qui. J'ai l'impression que vous êtes le duo qui se fait le plus ressentir duo. Ouais. Ouais. Parce que tu sais, Anthony, t'as une forte personnalité, Natou aussi. Du coup, même si vous êtes à deux, vous êtes chacun de votre côté, un peu à droite à gauche. Et dis-le qu'on se rend rien. Non, mais Christian Baguera, il y a un truc où. J'ai l'impression que vous êtes un peu inséparables dans cette. C'est terrible, non mais c'est vrai que je suis un peu genre, il est où Christian? Je vais aller boire mon café, mais il est où? Il se lâche jamais. Il a un peu ça aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on sort jamais, on se suffit. Ouais, vous-même. Je n'en ai rien à foutre. Il y a les bouseux. Bah, c'est mignon. Inox saison 2. T'as des noms pour la saison 2 déjà? T'as une saison 2 alors, déjà? Alors, j'en ai certains parce que. Je sais pas s'il y aura une saison 2 en vrai. Mais s'il y a une saison 2. Déjà, j'ai quelques noms où je suis 100% sûr de les inviter parce que je voulais qu'ils soient là sur Dalcy. Ouais. Sauf que, en général, en termes de timing, etc., c'était assez compliqué. Je dirais pas qui. Je sais qu'il y a Skyheart qui veut le faire. C'est qui? Skyheart, c'est un streamer. Mais après, Skyheart, je sais qu'il a fait de la danse. Parce que Skyheart, il m'avait envoyé un message en plus en me disant « Ouais, j'aimerais trop faire Dalcy et tout, machin. » Donc, il y a des gens qui te demandent pour le faire. Bah parce que j'avais un peu annoncé à l'avance que j'allais faire un truc danser avec les youtubeurs sans expliquer trop ça allait être quoi. J'avais reçu un message de Skyheart et comme j'avais déjà une petite idée du casting et que Skyheart danse vraiment bien, j'étais en mode « Si je prends Skyheart, ça ruine un peu la compétition. Ouais, alors il va être trop fort. » Mais en tout cas, pour une saison 2, je sais qu'il ferait vraiment Gaël le faire. Joyka, c'est drôle, Joyka. Finalement, Gaël est arrivé. Et finalement, Gaël est là. Mais après, au final, Gaël regarde, forte, hein. Domingo, il a créé la surprise. Ouais, mais bon. Mais Gaël, elle est vraiment. Non, mais c'est vrai que sur le papier, Gaël, elle a de l'avance. Même cette semaine, ça va être. Moi, j'ai vu les répètes. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Non, mais surtout, répète jour 1, c'était déjà. Elle est forte là-bas. Ouais, jour 2, ils ont déjà tout. Moi, j'arrive premier jour avec Natou. Oh là. Parce que ça fait trop rire. Premier jour, Natou, on fait 4 secondes de choré. On fait vraiment 4 secondes. Jordan, il m'appelle le soir, il me fait « Oh Gaël, vraiment, wow, c'est pas, c'est ça. Il y a encore du taf et tout, mais on est déjà à une minute de choré. » Je fais « Ok. » Et Natou, elle arrive le lendemain, je sais pas qu'elle a eu Gaël au téléphone, il fait « Oui, je voulais juste savoir… » En fait, on a tous… J'ai eu Gaël au téléphone, elle m'a dit qu'ils avaient déjà une minute de choré, c'est normal qu'on ait que 4 secondes. Moi, je fais « Attends, tu rigoles. » Moi, j'avais c'est comme ça, moi, je me suis dit « Attends, mais bien sûr, c'est normal, on travaille pas tous de la même manière. » Pareil, j'avais juste fait l'intro au début, et puis basta. Et du coup, Gaël nous montre, on était tout le monde était un peu genre… Ah d'accord. Non, mais on était hyper impressionnés, tu vois, on était un peu genre… Oui, donc c'est lundi quoi. Ouais, on est lundi. Non, mais c'est surtout de la façon qu'ils le disent. Ouais. C'est comme si ils sont en retard. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est pas ouf. Jordan, j'ai fait une choré, j'ai pas fait trop compliqué. Et là, tu la vois, elle arrive, elle saute, elle fait le truc. Ça ne s'arrête jamais. J'ai vécu un peu la même chose. Parce que du coup, moi, quand je suis venu premier jour, je vais vous voir, toi et Natou. Natou, elle me montre sa petite traversée de tango. Elle est contente. Et je suis en mode, bon, bah c'est 4 secondes, mais en vrai, c'est normal. Et après, genre vraiment une heure après, je vais à l'étage, je croise Jordan, alors ça se passe bien avec Gaël et tout. Puis tu sais, il est là avec son truc. Ouais, bah, 50 secondes là en 2 heures, c'est pas mal. Il est blasé, le mec. Porté, dirty dancing, le truc, ça passe derrière. Elle lève pas sa main, bon, écoute. C'est un autre univers, vraiment. Mais bon. Mais au final, mais heureusement qu'il n'y a pas 5 Gaël et tu sais, genre. Oui. Ah ouais, bah là c'est dur. Tu vois, là au moins. Ça ouvre quand même une bonne chance à tout le monde de faire la finale. En plus, c'est juste cool parce que dans le show, on sait que ça va être hyper impressionnant. C'est vrai. Un super moment. Tu sais que Gaël va aller en finale, peut-être. Peut-être qu'en termes de niveau, tu t'attends à ce que Gaël aille en finale. Mais comme il y a 2 autres places en finale, tu vois, tu sais que. Et après, la finale, ça se joue aussi au vote. Donc, oui, la finale, ça se joue. Là, il y a un mec à commenter, il était au Club Med avec moi. Mais où? Quoi? Là, à Punta Cana. Hein? Non. Non. Si, je te jure, il vient de commenter, il me dit « Anto, te rappelle le foot à Punta Cana, Totor, je vois très bien qui c'est. » Incroyable. Voilà, bah, on se retrouve ici. Voilà. C'est pas beau, ça. Anto, il retrouve ses vieux potes. Je retrouve mes potes. Enfin, voilà, on s'en fout. C'est quoi Léo Maté? Léo Maté, c'est une série dans laquelle j'ai joué. Mais non, t'as joué dans Léo Maté? Oui, une saison. Aïe, aïe, aïe. J'étais le. Avec Jean-Luc Reichmann. Ouais, c'est lui qui m'avait. Ce bon vieux Jean-Luc. Ce bon vieux Jean-Luc. C'est sur TF1? Ouais. Horty en saison 2. Ah, Horty, je vois, elle est demandée de fou. Hein. Ah, Christian, bon, on t'a croisé avec à. Defected Croatia. C'est quoi? Un festival de musique house.
C'est quoi, t'as un pote de ton festival? Alors, je sais pas si on s'est... Oui, s'est croisé peut-être. Je sais pas si on s'est dit bonjour, mais... mais c'est drôle, ça. Des fans de musique house. Tu sais, vous, c'est fans de musique rap, mais moi, c'est house. En vrai, t'es house, pas rap, mais toi, moi, Christian. J'aime bien. T'aimes pas trop le rap, toi? Pas trop. Voilà. Je comprends pas ce qu'ils disent. Meilleure transition. Je comprends pas ce qu'ils disent. Moi, j'ai déconnecté. Il se passe quoi, là? Salut Maguera, ça va? Tu as l'entraînement dans 2 minutes, hein? Non. Tu vas te réveiller, c'est 9h. Mais un Koh-Lanta avec les youtubeurs. Allez, toi, gars, c'est t'aimes, le rêve aussi. T'aimes de ouf, Laura. Le rap, ouais. Toi, moi, c'est ta cam. Ah, en fait, j'avoue, j'écoute que ça. J'écoute que rap français. En toi, vrai. C'est mignon, toi. Gazo, ah, maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a croisé à Malte. En fait, tout le monde me croise un peu partout. Hey. Putain, mais ça il voyage, ici, hein? Ça vit. C'est vrai que tu vis, hein. Squeezie saison 2, ce serait. Ah, Salut la team! Oh Manuel! Ah, comment ça va? Manuel Ferrara! Vous connaissez ou pas? Mais je connais, je vois qui c'est le. Ah, c'est lui! C'est lui? Oui, oui, c'est lui! Arrête tes conneries! Attends, c'est vrai! C'est lui! C'est lui! Ah, putain! C'est qui lui? Si, bah, tu vas voir! C'est. Non, bah, va pas Max. Voir! Va pas voir ça fait rire, Max! Hein va pas forcément voir! Pourquoi? C'est n'allez pas non, voir! Non, mais c'est un acteur! C'est un copain! Ah, c'est un copain qui a non, non, c'est pas vrai, je connais. Enfin, je vois qui c'est, bien sûr. Enfin, je. Tu vois ta chemise? Hein? Tu vois la chemise? La chemise qu'on portait? Ouais. Manuel Ferrara. Ah, ouais, un petit lien. Ça me met des chats. C'est bien compris, là. Ah, bah... Emmanuel, comment? Rocco non, non, reste sur les chats. Reste Rocco sur les Crédit chats. De France, c'est ça? Reste sur les chats, Lise. J'ai compris, j'ai compris. Bon, Magla, je vois ça me propose des noms les gars, pour la saison 2. C'est vrai mais que j'ai déjà des idées. C'est vrai que si c'est ouvert, tu pourrais prendre des gens de OnlyFans. Quoi? Des gens de OnlyFans. Pour Dalcy. Bah c'est ça fait partie Star de Internet. Et Star du Net. Bah oui. Ouais. Pas forcément. pas forcément sûr de l'idée. Pourquoi? Je sais pas. J'ouvre le truc à. Ouais. Ok. Ok. Il y a quand même eu Carla. Non, comment elle s'appelle? Ginola? Non, qui a dansé avec Max. Morgane. Clara Morgane. Clara Morgane. Ah, je viens de tilter. Pourquoi? Ah, tu viens de comprendre. Ah, viens de comprendre. Pardon. Ok, bon, on va pas aller tout de suite sur OnlyFans, je pense. Je pense. Il y a quand même la matière avant. Carlito serait marrant, mais il le ferait pas, je pense, Carlito. Carlito serait marrant, j'en avais parlé. Hein. Je sais pas s'il serait chaud, mais par contre, je sais qu'il aime l'émission. Il kiffe l'émission. Ouais, de fou. Il a dit des trucs hyper cool. Et moi, pour de vrai, moi, Carlito, je le verrais bien dedans. Bon, vous avez vu LOL? Ouais, j'ai pas regardé la dernière. Ouais. J'ai pas vu la fin. J'ai trouvé un peu silencieux. Bah, ils sont un peu trop cutés en vrai, je trouve, Max et Carlito. Ah, ok, d'accord. Parce que de ce qu'ils me disaient, moi, j'en avais parlé avec eux et ils parlaient quand même beaucoup. Mais après, il y a tellement de trucs. Tellement tu sais que ça dure des heures et des heures. C'est 6 heures. Ouais, voilà. Ah, ouais, c'est intense. Faudrait faire un LOL entre youtubeurs. Pire. Bon, on va reprendre toutes les émissions. C'est vrai. Et c'est version internet. Voilà. Les gens vont adorer. On va juste dire, on se prend la même chose. Mon nouvel ADN, les gars. J'ai failli faire Pékin Express. Koh-Lanta internet, LOL internet. Ça aurait été stylé. On allait en Ouganda, mais il y a une période Covid. Mais en plus, c'est ça qui est taillé, c'est qu'en vrai, c'est marrant. C'est des bonnes idées, quoi. Attends, mais quoi? Il y a eu un commentaire de moi-même. Ça va, Max, tranquille. T'envoies des petits. Bah, c'est qui a mon compte là? C'est terrifiant, j'ai parlé dans le chat. Cyril Aluna, c'est qui à lui? Il y a vraiment quelqu'un qui a parlé avec le compte Michou et qui a dit PTDR, ça spam AD le chat. C'est qui ça? Mais qui a mon compte là? Vous me terrifiez les gars. C'est fascinant. Peut-être changer de mot de passe après. Hein, ah, c'est ça que tu dis les spams là? C'est quand ils mettent 1000 fois le truc. Ouais, là tu vois, ils mettent 1000 fois AD Laurent, ils étaient en mode bon. Ouais, ça suffit. Voilà, on a compris les gars. C'est bon, on a compris. On peut changer. Mais franchement, mais c'est addictif hein, ce truc. Hein. De quoi le chat? Ah ouais. Toi, tu resterais là des heures. Hein. Je pourrais rester. Ouais. Mais en fait, toi, t'es au cinéma juste pour regarder le chat. Il n'y a même pas besoin de. C'est génial. C'est fou. C'est trop marrant. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Je suis rouge. Mais eux. Hein? Je suis rouge? Non. T'es rouge? Ouais, sur la voiture, je suis rouge. Non, ça va. C'est moi, je coupe, mais ça m'a. Ça en tout, il y a Flamby dans le chat. Il y a tout le monde. Ah, Flamby. Les gens, ils restent vraiment. Flamby, c'est un peu grand salut. Là, je pense qu'on a fait le buzz. Minuit, hein. Bah ouais, c'est... Ah ouais, de rien, on est 20 minutes. 23h48. En vrai, c'est un truc de ouf. Hein.
Non. Se coucher surtout. Je suis épuisé. Ah bah ouais, surtout ouais, aller au lait, les amis. Attends, vous commencez à quelle heure? Flamby, j'espère que tu reviens sur Dalcia. À 11h, on a les essayages, mais il faut se lever avant. Ouais. Tu vas dormir, quoi. Bientôt au lit, là, les amis. Ok. Ouais. Moi, je vais peut-être rester un peu. Si tu veux, Christian, ouais, si tu veux, Anto, on te laisse le local et tu streams. Hein. Oh, me dis pas ça. Mais tu sais que tu rigoles, mais je suis sûr que tu kifferais vraiment. C'est vrai qu'on n'est plus sur l'écran. Hein, mais sauf qu'il y a tout le monde qui va se barrer. On va passer de 20 000 à 2 000. Bah, c'est non, bien 2 000. Hein. En plus, 2 000, c'est quand même, mec, tu te rends compte, t'as 20 000 personnes qui te regardent. Là, tu t'en rends pas compte. Parce qu'on est entre nous dans le canal. Tu peux pas avoir la notion. T'imagines, là, tu mets 20 000 vraies personnes devant. C'est combien de zénith? C'est un espèce de... C'est un Bercy. C'est un Bercy, hein. T'as un Bercy qui te regarde. Là, ok, sortez-moi la guitare. C'est non, là, en vrai, t'imagines, il y a un Bercy qui te regarde et on est juste... Surtout samedi passé, il y avait 400 000 personnes. C'est quoi. Énorme. Ouais, putain, c'est vrai. Samedi passé, il y avait 400 000 personnes. Ouais. Quoi? Mais à la limite, ça me choque moins parce qu'il y avait plus de... Je sais pas, ça en fait, reste une dinguerie. Ça bougeait beaucoup, il se passait des trucs, machin. Ouais, puis il y avait de la promo qui a été faite. Franchement, c'était bien. Alors que là, tu vois, tu dis 20 000, on est juste assis dans un canapé, quoi. C'est aussi la magie de Twitch, quoi, le côté où on peut un peu traîner, discuter. Bah, les gars, vous avez aimé la bande-annonce? Répondez oui ou non. Ok, c'est quoi cette question? Je sais pas, j'avais envie de faire ça. Ça fait des années que j'arrête de faire ça. Ah, parce que là, tu vas lire le chat et tu vas être en mode « Ah, ils répondent à ma question ». Vous avez... Ah, oui, non, oui, oh yes, j'adore. Ça répond, putain. Ça répond, ça répond. Le chat est réactif à ce que tu dis, Anthony. D'ailleurs, des fois, faut faire attention, tu vois. C'est comme quand tu dis et tu parles de météo, tu peux être sûr que tout le monde en parle. Oh non. De quoi? C'est sûr, tu dis, aujourd'hui il fait beau ici et tout le monde. Alors moi je suis à Rennes et je peux te dire qu'il pleut. Et ah ouais, c'est vrai. Regarde, commence à demander. Demande l'âge du chat. Ok, ouais, vous avez quel âge? Juste pour voir la moyenne d'âge, c'est quoi la moyenne d'âge? Vous avez quel âge? C'est le pire. Allez-y, le chat. Là, ça, c'est vraiment tout le monde répond, c'est ça? Le chat est vivant. Oui, le chat est vivant. 23, 18, 35, 20, 21, 24, 28. Ah, quand même, hein! Il y a des âges, hein! 17, 20, 56, putain! 19, 35, 15, 21, 95, ouais, 95, oui, bon. 28, 35, 47. Mais peut-être, hein! Et t'imagines, ouais, le mec, il a vraiment 95 ans, toi! T'imagines, le mec qui a vraiment 95 ans, il écrit 95 dans le chat et. C'est... Oui, bon, 95! Allez, pas! J'arrondis! Oui, il y a des menteurs là, 102, 108, voilà, ça fait venir en tête. Mais oui. Ouais, donc il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Christian, trop beau. Ah, ça, j'adore. Et voilà, c'est sur ça qu'on va arrêter le live. Merci. Merci. On arrête là-dessus. Merci, ça nous a fait plaisir d'être avec vous. C'était génial. On revient demain soir. Trop beau, mais on rappelle qu'il voulait mettre le Seigneur des Anneaux en 10, bref. Oh là 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 là. Bah, moi, je suis d'accord, en vrai. Ça va être chaud. Moi, en vrai, je suis d'accord. Ouais. Plus un Christian. En tout, t'as fait quoi comme étude? Je me suis arrêté au bac. STG. C'est bien. Non, mais les arrêts sur image, chaque fois, ils ne me mettent pas en bac. Pour faire de la danse. En vrai, c'est bien bac. Vous avez fait quoi comme étude en vrai? Je ne voulais plus continuer l'école, ça me saoulait. Anto, il est en monologue. Non, mais ouais, de ouf, on est tous les quatre sur le canapé, lui, il est là. C'est vrai. Bon, les gars, moi, j'ai arrêté le bac. Ouais, en fait, ce que je voulais vous dire depuis le début, c'est. Je ne comprends pas qu'on a tous un micro. Moi, c'est vrai. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait comme étude? C'est surprenant, moi. Psychologie, toi. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai fait deux trucs. C'est surprenant. J'ai fait deux trucs. Putain, scientifique? Je sais. Hein? Non, mais ça veut dire que tu as continué. En fait, j'en ai commencé un, et après ça, j'allais aux études en anglais, donc je voulais aller quelque chose d'un peu plus simple au niveau de la langue, et donc du coup, j'ai choisi autre chose, et après ça, à l'université, j'ai fait autre chose. Surprenant. Je crois que tu me l'as dit, et je crois savoir ce que c'est. Criminalité? Putain, t'es bon, t'es fort, t'es fort. C'est ça? Je te l'ai dit, c'est pas possible. Non, mais c'est le chat. Ah, putain! Bien joué, les gars! Quelqu'un l'a dit dans le chat. Bien, ouais. Et moi, je me suis dit, c'est vrai, c'est possible. Et tu sais que j'ai aussi dit. C'est exceptionnel. Alors qu'il y a plein de trucs. J'ai adoré criminologie. Mais ça m'étonne pas de toi. En fait, c'est juste que c'est pas très payant les métiers après ça, mais criminologie, j'ai adoré. C'est vrai. Ça paye mieux le tcha-tcha. La psychologie du. Ouais. La psychologie du psychopathe. Oh, c'est génial. Ah, t'as étudié. Attends, mais c'est toi qui me disais. Et la victime aussi. Attends, c'est toi qui me disais que j'étais dérangée parce que j'écoutais des podcasts sur le crime alors que ça fait de la criminologie. Non, j'adore ça. Si tu m'as dit, c'est les gens qui sont dérangés. Non, j'ai lu un article que ces gens-là étaient. Mais je suis dérangée. T'es en train de te la mettre à dos tout à l'heure. Ça me tue parce que tu vois que mine de rien, vous avez passé une semaine et demie ensemble et que vous avez grave appris à vous connaître. Oui, ça fait une semaine, on a l'impression qu'on a toujours été ensemble. Mais oui, on a un peu. Bah attends, tu me dis ça. Mais c'est ça que j'aime trop dans Dals. C'est trop mignon. Dans Dals, parce qu'en vrai.
Bah, c'est le contact que tu crées avec ton danseur ou ta danseuse, bah, ouais, quoi. Bah, tu m'étonnes, toi. Il est marrant, lui. C'est vraiment ça que j'ai apprécié dans l'émission. Ah bah, le contact avec ma danseuse. Je veux dire, il se passe vraiment des choses. On apprend à se connaître, on se repousse les limites. Vraiment, on va au plus profond des femmes. Enfin, bref. Oh, j'ai oublié que c'était au moins. Ah ouais, non, j'ai abusé. J'ai oublié que c'était ta sœur. Bah, elle est ta meuf. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Waouh, je suis parti loin, je suis ban. Mais t'es bout du bout. T'as la rêve de je suis ban. Hein. Putain, c'est pas mal. Fait criminologie, toi, putain. Ouais, ouais. Et mais ça m'étonne fait, pas. Hein. J'ai fait technique en programmation informatique. Ah, mais ouais. Non. J'ai détesté. Bah ouais. Ah, pourquoi ? J'ai gradué. Mais j'étais devant l'ordi comme ça toute la journée. Il a fait ça, lui. Et j'en pouvais plus. Mais je voulais juste aller à l'université. Fallait que je finisse. C'était le... Mais parce que de base, t'as l'air pas très passionné par Internet, etc. Non, mais mon grand-père... Donc pourquoi t'es allé là-dedans ? Je suis allé en sciences. Mais étant donné que la science, c'était trop difficile. En fait, je partais de l'école en français. Et là, je voulais aller en immersion anglaise. Et donc, la science, c'était trop compliqué, les nouveaux termes et tout ça. Et du coup, je coulais mes premiers cours. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus simple? Et mon grand-père m'a dit, ah, l'informatique, ouais, la programmation, c'est l'avenir. Ouais, je jouais un peu à des jeux. Ouais, je pensais peut-être pas mal et tout ça. Et je suis arrivé et là, j'ai vu les gens qui étaient là-dedans. Je fais, c'est pas trop les mêmes gens que moi. Je me suis dit, bon, je me suis fait 2-3 potes, mais au fur et à mesure. Au début, c'était cool. Programmé au début, mais après ça, le réseautage et tout ça, ça ouais. C'est compliqué. Là, là, ouais. là, je comprenais plus. Ça n'a l'air pas facile. Ouais. Non, là, c'était dur. Mais j'ai gradué. Technologie, par contre, je suis un technicien en programmation informatique. Ça, c'est fou. Mais j'ai jamais. Et prof de chacha. Ça va, ça t'intéresse. Et prof de chacha. J'adore. Et aussi, analyseur de psychopathe. Alizé, elle était sur Insta en train de répondre à quelqu'un qui lui a envoyé un DM dans le chat. Tiens donc. Je te le dis, hein. Mais en fait, elle a pas du tout écouté l'histoire de Christian. Mais si. Elle était là. Ah ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il a dit? Je te réponds après le live. Mais j'avoue, j'admets, j'ai pas la fin. Ah, ah ouais. Alors, ça disait quoi le message? C'est bizarre, là, maintenant. C'est bizarre, maintenant, tout le monde dit, elle est belle, Alizé. Elle est belle, Alizé. Elle a un beau teint. C'est la sœur d'Elsa. Tu vas te gaver, Alizé. Bon, tu vas je suis le pas. Compte Instagram et je confirme. Je vais aller faire pipi, surtout. Ah, ouais. C'est juste là. Je sais. De toute façon, je pense le chat que nous, on va bientôt arrêter ouais, le live. Ouais, on va pas tarder à y aller, le chat. Attendez. Ah ouais, tu vas aller faire pipi. On attend. Ouais. J'attends. Est-ce que non, vas-y, on t'attend. On t'attend, t'inquiète. Putain, j'ai que hâte de lancer ma chaîne. Le micro, attention. Et il faut que tu viennes avec moi sur ma chaîne Twitch. Bah oui, je viens. On fait des duos. Ouais. On va se gaver dans le duo Christian Anto sur Twitch. Attention. Moi, ça part sur un roue libre. Attention, il n'y a pas de chichi. Faudra qu'on fasse venir Jordan un jour. Et la roue. Ouais. Vraiment, Jordan, la roue libre. Vraiment, ouais, c'est toi, vraie roue. Je vais parce que lui, il aime bien faire ouais, tout la ce qui est roue, moi, sur Dalsy. Ses partenaires, il fait toujours faire la roue. Ah ouais? Ouais, il adore ça. Et tu fais la roue? Ouais. J'ai dit, ça marche toujours. Tu sais que j'ai une roue de ouf. Vas-y. Je fais la roue, je t'impressionne. Vas-y, fais. Attention, c'est le moment roue. Alors là. Ça, on s'y attendait pas. Parce que toi, tu l'as fait bien, Anto? Ouais, mais pas là, là. Parce que là, j'ai mon lumbago, ça va me faire mal. Est-ce que t'es prêt? Mais fais gaffe, attends. On est bon? On nous voit, là? Il le voit? On est bon? C'est bon, ok pour vous? Vas-y. Attends. J'adore faire ça. Là, on me voit. Hein. Quel sens tu vas, frérot? Je vais faire comme ça, là. Vas-y. Tu sais que j'ai une roue de ouf. Vas-y. Ok, prêt? Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas être impressionné. Hein. Ah, fais gaffe, l'ordi. T'inquiète, je suis prêt. C'est propre. Roue de fou. C'est propre. Franchement, c'est propre. On n'a pas entendu de bruit. C'est mon geste, les gars. C'est même amorti. C'est amorti. Moi aussi, je suis passionné par la roue. Mais pour... Pardon. Oula, ben c'est amorti. Waouh. C'est amorti et il n'y a vraiment pas eu de bruit. Genre, c'était un chat. T'as vu? À toi. Non, je peux pas. Je te dis, vraiment, je te jure, c'est vrai. Mais c'est vrai que t'as un lumbago. Oui, je te jure, c'est vrai. Ça va mieux, par contre. Il est sous lumbago. J'arrive pas à dire. C'est ça. Il est sous l'embargo. Il est dans un embargo. Anto, il est dans l'embargo. Dans le lavabo, là, c'est fini. Anto, il est dans le lavabo, mais il arrive quand même à entraîner tout le monde en danse. Enfin, on a tout. Ah, le chat. J'en peux plus, toi. J'adore. Il est amoureux. On est d'accord, le chat. On va voir ta roue, là. Ma roue, c'était un combien? On va la revoir. On va revoir ta roue, attends. Nous, on regarde le live en même temps, les gars. Vous nous dites quand vous êtes prêts. On fait le contenu et on regarde le contenu. Attention, ça réagit à ma roue, là.
on va voir à quel point elle était belle. That's 19 sur 20, 10 sur 10, mais j'ai choqué tout le monde, hein. Elle est propre. En vrai, mais t'es hyper. Tu sais ce qui n'allait pas ? Tu sais ce qui n'allait pas ? Non. Ta jambe droite. Le pied n'était pas pointé. Oh, ça pointe pas dans les roues. Ah, ça c'est, pointe dans les c'est un œuf. Ça pointe dans les roues. Dans les roues. Alors peut-être pas au Québec, monsieur. Mais en vrai, ça pointe. Au cirque, quand ils mettent les pieds dans les trucs, ça part en roue. Oui, c'est vrai. J'ai jamais autant analysé une roue. Mais... T'as raté un truc, Bagheera. Oh non, quoi ? T'as raté la roue. Non, t'as raté une roue de fou. Tu sais faire les roues ? Oui. Allez, Bagheera. Allez, vas-y, tu nous montres. Non. Alizé, tu sais faire une roue ? Oui. Tu nous montres ? Non. Ah, parce que le mec qui t'a écrit, il veut pas. Alizé, tu fais pas de roue. Il aime pas les roues. Il aime pas les roues. Ah, entre... hey. J'ai raté quoi T'as raté vraiment une roue 9 sur 10. Le train d'hype, il est en train de cartonner. Il est niveau 2. Là, on est... Ah, c'est vrai qu'on a le train d'hype. Ah bah, merci Majin. Il nous faut une deuxième roue d'Anto que je puisse voir du coup. Non, moi je peux pas. Ah, mais Anto, il a un embargo. Ah oui, mais alors de qui ? C'est qui a fait une roue ? C'est lui. C'est toi qui as fait une roue ? C'est lui. Ouais, c'est moi. Mais va en faire une, je veux voir. Non, mais là j'ai trop de pression. Ma première roue était trop belle. Elle était vraiment magnifique. Moi, je pense que je fais un effort physique maintenant avant de dormir. Ah non, je meurs. Non, mais les gars, va tomber sur la tête. On va libérer Bagheera parce que j'avoue qu'elle s'est entraînée toute la journée. J'ai vu ma tête dans le miroir. J'étais, ah oui, quand même, j'ai la fatigue. Non, arrête, tu l'as fait, moi. Lui, il part sur le chat jusqu'à 5h. Il y a besoin d'énergie. Allez, le chat. J'espère que vous avez toute la nuit devant vous. Anton Espresso, c'est maintenant, c'est ton moment. Non, mais les gars. Anton Espresso, je comprenais pas. Bah, par rapport à la c'est la machine à café. J'avais pas compris, putain. Mais t'avais pas... Non, mais j'avais pas fait le lien. Alors que quand on l'a dit, il a fait... Ouais, parce que tout me fait rire, moi. Il adore le chat. On est comme ça, avec ma petite Alizé, là. Oula, j'espère que le mec va rien dire. Arrête, ça soit tranquille. Là, vient de recevoir un DM Insta, il est sérieux. Je te quitte, Alizé. Non, mais la gueule de ces DM, là, pour vous laisser la tranquille. C'est qui le mec à ta droite ? Il est vraiment relou. Allez, le chat, nous on va vous laisser là. Ouais, merci d'avoir suivi le live. C'est trop bien. Merci vraiment. J'ai adoré ma première expérience. C'est sûr que t'as kiffé. Ah oui, j'ai kiffé de ouf. T'as vu quand on n'est pas plus à l'aise que quand on nous donne un micro en live sur TF1. Ça change tout, hein. Alors qu'est-ce que t'as pensé ? Oui, il est vrai que. Là, on peut parler normal. J'ai fait un truc pour la BBC en anglais. Des questions. C'est quoi votre stratégie quand vous arrivez en entraînement ? Et là, je dis ça en anglais et là, j'étais là. Attends, je sais même pas comment dire en français. Attends. Du coup, là, je prépare. J'ai dit, mais qui va regarder ces trucs-là ? C'est chiant. Là, on se fait pas chier. Ah, bah là, on rigole. Hein. Moi, ça me fait kiffer. Anto, ça se voit que d'habitude, sur TF1, il est. Je suis coincé. Oui, non, mais sur le chat-chat, là, Natacha Saint-Pierre, c'est bien débrouillé. C'est vrai qu'il fait plus. Mais j'ai peur, en fait. J'ai peur de dire une connerie qu'après, on va me reprocher, de me dire, fais attention pour l'image. Bon, ça peut quand même arriver ici, quand même. Oui, ça peut arriver. Mais je vais pas faire des dingueries. C'est pas le même niveau. Enfin, ouais. Non, en fait, t'es normal, quoi. Oui, c'est ça, c'était pas... Non, mais c'était cool, là, l'équipe... Je vous aime, le chat. Les gens veulent que tu restes, Anto. Je vais rester, Anto reste toute la nuit. Ils veulent te voir animer en live. Le chat, pardon. Bags. Allez, les chats. Bon, allez, les gars. Allez, c'est le moment, parce que la Bags, elle est waouh. On va s'arrêter là. Elle est aux toilettes, là, c'est sur la vie. Bien de passer minuit. Les amis, merci d'avoir suivi le live. Bah, du coup, merci tout le monde d'être venu en vrai. Merci à toi, mon gars. En plus, la plupart, vous avez un peu découvert le local et tout. Ouais. Ça m'a fait plaisir. C'est bien. Ouais. Vous êtes bien. C'est cool. Hein. Et on a inauguré, c'est vrai que mine de rien. Et trop bien on ça. On a inauguré cet endroit. Non. Ah ouais. C'est un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. Du coup, quand je le vois chez quelqu'un, je me fais. C'est vrai, ce soir, là, on vient d'inaugurer. Non, c'est vrai, ouais. J'ai la régie peut-être depuis une semaine et quelques, mais je savais toujours pas comment commencer le premier live. Ah, ça fait kiffer de ouf. Ouais. Et c'est trop bien parce qu'en vrai, moi, ça me permet de faire plein de choses. Genre les cams, si je veux, je peux les bouger. Je peux faire un live, on la met ailleurs, on fait un Just Dance. Mais là, d'avoir pour la route, d'avoir... pour le truc, ouais. C'est trop bien. D'avoir une mobile, là, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est vraiment cool. Donc, voilà. On se retrouve demain à 21h. En vrai, je crois... Non, demain, on stream pas. Bah, demain, les gars... mais on est tous au même endroit demain. Ouais. C'est quoi demain ? Demain, c'est un vendredi. Demain, on est chez le CCH. Non, demain soir. Soir. Demain soir, il y a un truc publié. Je sais ce qu'il y a demain soir. Il y a DALS déjà. Sur TF1. Là où je suis coincé. Mais c'est un prime particulier que vous allez voir demain. Et moi, je n'y suis pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour avoir tout ton temps. Christian a été éliminé malheureusement la semaine dernière.
Mais du coup, Baguera en profite, elle va pouvoir bien s'entraîner. Je suis désolée, non, ça me fait de la peine, hein. Mais je suis très contente. Mais voilà, les amis, merci, plein de gros bisous. Nous, on se dit à bientôt. De toute façon, ciao, on se tient en jus sur Insta, etc. Vous connaissez. Et à samedi soir, pour le Prime, pour voir la danse de Christian Baguera, la danse d'Anto et Natou. Et Alizé sera là aussi. Alizé avec sera vous. Là, mais pas avec le mec d'Insta avec qui elle est. Allez, allez, les amis, plein de bisous. Vous bisous, êtes les meilleurs. Ciao. Ciao. Bisous, prenez soin de vous. Merci d'avoir suivi le live. Merci à tous.